Hello, everyone. Welcome to our fourth day of our French Wine Digital Week. And we will begin giving you some technical advices for today's program. So wait a moment. It's there. Sorry. So we will begin giving you some technical advices for today's webinar. So you can choose in the bottom part of the screen a little symbol, a little globe that is called interpretation. Please choose the English option to listen to the Georgian's translation. Then there's also a button that is question and answers. And during the entire conference, you can write your questions that will be answered at the end of every conference. So today we have two topics on wine tourism. So at the end of each conference, we will answer your questions. And also you can write a comment in the option in the chat button. You can write your comments during the conference. So let's begin. Effectively. Okay, so we will wait for the little globe to appear on the bottom. Yes. Okay, now so it's good. And est-ce que vous m'entendez? Stéphane, Estelle, c'est bon? Okay. Ok. Donc, je pense que j'ai été. Je vais recommencer ma présentation. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là, nombreux encore aujourd'hui, donc, pour cette matinée consacrée à l'œnotourisme. Donc, nous sommes toujours dans notre French Wine Digital Week qui bat son plein. Puisque nous avons eu déjà des webinaires intéressants hier, avant-hier et des rencontres aussi depuis lundi. Donc, cette French Wine Digital Week est organisée dans le cadre d'un projet européen financé par le programme EU for Business que nous menons, donc Interco Nouvelle-Aquitaine, structure dont je fais partie, qui est l'Agence de coopération internationale du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Nous menons ce projet en partenariat avec la National Wine Agency of Georgia. Et donc, le but est de créer des partenariats et des coopérations économiques entre les acteurs du secteur vitivinicole de France et de Nouvelle-Aquitaine en particulier, et les acteurs du secteur vitivinicole géorgien. Donc, en ces temps de pandémie, nous n'avons malheureusement pas pu accueillir nos partenaires géorgiens en France pour une semaine technique et riche en visites techniques, en événements networking. Donc, nous avons organisé cette semaine digitale. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler œnotourisme. J'espère que vous avez tous pu vous connecter, choisir l'option anglais
pour la traduction. Et donc, pour parler de nos tourismes avec nous ce matin, donc nous avons Stéphane Badet. Donc, vous voyez à l'écran, Stéphane, tu peux nous saluer rapidement. Bonjour, merci d'être là. Bonjour à tous. Donc, Stéphane, qui est professeur au lycée agroviticole de Blanquefort, donc spécialiste en économie et marketing, et qui est également expert pour le compte du ministère de l'Agriculture, et qui, à ce titre, a pu voyager dans plusieurs pays du monde, dont la Géorgie à plusieurs reprises. D'ailleurs, Stéphane, tu nous en parleras certainement tout à l'heure. Et également, donc, Estelle Depins, qui va nous présenter sa structure. Bonjour, Estelle. Ah, ton micro, Estelle. Bonjour Hélène, bonjour à tous, bonjour Stéphane. Bonjour Estelle. Merci Estelle d'être là. Donc Estelle, toi tu fais partie de ce projet européen. Tu es l'une des entreprises françaises qui participent aux échanges avec les entreprises géorgiennes. Et donc merci d'être là aujourd'hui pour nous partager ton expérience et nous présenter ton entreprise GDO Wine Tour Booking. Donc, tu nous en parleras tout à l'heure. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. OK. Et donc là, je pense que vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous faire passer un petit quiz rapide pour déjà commencer à tester vos premières connaissances en œnotourisme. Donc, vous voyez, il y a une question qui s'affiche à l'écran. On vous envoie un lien dans le chat. Voilà, Anna est en train de faire la manip en direct. Et donc, il vous suffit pour participer de cliquer sur le lien qui apparaît maintenant dans le chat. Une fenêtre va s'ouvrir et vous pouvez donc répondre. Et donc là, on vous demande, donc selon vous, qu'est-ce que le no-tourisme ? Donc, vous pouvez répondre, mettre un terme. Et au fur et à mesure que vous répondez, nous allons avoir vos réponses qui apparaissent à l'écran. Donc, allez-y. Tout le monde peut participer. Ne soyez pas timide. Est-ce que les premières réponses vont apparaître bientôt, j'espère. Vous avez bien tous cliqué sur le lien. OK, parfait. Love for wine. Bonne réponse. Effectivement. C'est vrai que voilà, c'est un tourisme pour les amoureux du vin, effectivement. Business lifestyle. Stéphane, Estelle, hein, vous pouvez ouvrir vos micros et commenter aussi les réponses. Vous pouvez même participer si vous voulez. Mieux comprendre le vin. Ouais, effectivement. Faire la promotion des régions vitivinicoles. Je pense que pour l'instant, on a que des bonnes réponses. Hein. On a un public pointu. On a des spécialistes. Hein. Je ne veux pas vous mettre la pression. Il y a une raison quand même qui n'a pas été donnée vraiment. Oui, Estelle. Bah, c'est le fait de vendre du vin. Ah. C'est un réseau de distribution complémentaire au réseau traditionnel B2B. C'est vrai que là, ce n'est pas encore ce qui ressort. Mais non. Tu vois, si on faisait ce test à nouveau à la fin, ce qu'on va faire, peut-être que les réponses, effectivement, seront différentes. C'est ça qui est… Oui, c'est possible. Ouais, qui est sympa. Ça, c'est les choses qui nous viennent à l'esprit quand on parle de… Quand on parle de no-tourisme. Oui, c'est normal parce qu'en fait, le no-tourisme, en Géorgie aussi, est porté beaucoup par les acteurs touristiques. En fait public, et donc ils influencent beaucoup en fait les mots qui sont utilisés et qui sont et les croyances en fait des acteurs. Donc c'est là où effectivement je pense que Stéphane ou moi-même on va pouvoir élargir cette j'imagine cette ces croyances et absolument. OK. Donc on a 12 réponses. Allez, est-ce qu'on va passer, est-ce qu'on a une autre… Non, pour l'instant, c'est la seule question qu'on avait à vous poser. Donc, ça lance déjà le débat. Hein. Je vois que Stéphane et Estelle ont déjà des réponses et des choses en tête. Mais du coup, donc maintenant, on va enchaîner sur les présentations, si vous le voulez bien. Stéphane, écoute, je te laisse la parole pour nous parler un petit peu plus de l'expérience bordelaise en termes de nos tourismes et nous… poser un peu le panorama avec déjà de belles photos à l'écran. Tout à fait. Donc, évidemment, moi, je vais vous apporter le regard de l'universitaire et de l'économiste, et je vais vous apporter nos réponses et qui vont parfaitement coller avec les vôtres. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps et sur cette demi-heure,
c'est de découvrir quelle est un petit peu la vision française de l'œnotourisme et l'expérience spécifique bordelaise, parce que c'est un cas assez particulier. Et si on a un petit peu de temps, nous évoquerons quelques facteurs du succès, et Estelle vous présentera également son expérience, l'expérience bordelaise du développement de l'œnotourisme. Voilà ce que nous avons prévu pour vous ce matin. Alors, simplement pour commencer, qu'est-ce que l'œnotourisme? Quelle est la vision française? Donc, c'est la diapo suivante, Anna. Qu'est-ce que le tourisme? Qu'est-ce que le no-tourisme? Eh ben, le tourisme, vous le savez, c'est une activité économique. Next, please. C'est une activité qui est apparue au début du XXe siècle avec la hausse du niveau de vie. C'est vrai que les populations, en particulier dans l'hémisphère nord, en Europe, aux États-Unis, ont commencé à s'enrichir, ont eu également, on va dire, des acquis sociaux qui leur ont permis de penser vacances et de penser voyages. Et au fil des décennies, on s'est aperçu que le tourisme se développait sous diverses formes, tourisme de montagne, tourisme balnéaire, bien évidemment, mais aussi tourisme sportif ou tourisme culturel. C'est devenu un secteur économique extrêmement puissant, comme vous le voyez sur les derniers chiffres dont nous disposons au niveau mondial avant la pandémie, puisqu'on estime qu'actuellement, le tourisme représente 10 à 11% de l'économie mondiale, du produit global, de l'argent global, de la valeur globale créée au niveau mondial. 10 à 11% de cette richesse et 10% des emplois dans le monde également. Et la dernière estimation que nous avions avant la pandémie, c'est qu'il y a environ 1,5 milliard de touristes chaque année. Ce qui nous amène aussi à se poser la définition de ce qu'est le tourisme. Le tourisme, c'est voyager, c'est résider au moins une nuit dans un lieu inhabituel, c'est-à-dire hors de chez soi, et quel qu'en soit le motif. Ça, c'est la première chose. Alors maintenant, le no-tourisme, bien évidemment, s'inscrit dans cette démarche. C'est d'ailleurs ce que disait Estelle. C'est vrai que souvent, et en particulier à Bordeaux, on est venu à l'œnotourisme par le tourisme. L'œnotourisme, c'est quoi? C'est un ensemble d'activités touristiques, c'est ce que vous avez en bas de cette diapo, de loisirs et de temps libre qui sont consacrés à la découverte et en quelque sorte à la jouissance. Je profite de la vigne, du vin, de son terroir. Et ça, c'est la définition internationale qui régit donc l'œnotourisme. En France, et c'est la diapo suivante, en France, nous avons une définition qui est assez similaire. Et ici, sur cette diapo, vous avez également la liste qui est proposée par notre ministère public de l'ensemble des activités qui sont considérées comme étant œnotouristiques, s'inscrivant dans l'œnotourisme. Donc, des activités qui sont centrées principalement sur la rencontre des exploitations viticoles, mais pas seulement, parce que vous voyez, ce sont aussi bien des visites, mais ça peut être aussi des promenades, des randonnées, des routes des vins, ça peut être aussi de l'hébergement ou de la restauration, ça peut être des musées, ça peut être de la visite, ça peut être aussi des événements, des fêtes, des activités ou des ateliers. Et de plus en plus des ateliers à partager, puisqu'on s'est aperçu que le consommateur, de plus en plus, cherchait à partager une expérience avec le viticulteur, avec le vignoble. Alors ça, j'en reparlerai parce que c'est évidemment un point très important. Et c'est bien évidemment tout ce qui tourne aussi, même si on n'y pense pas forcément au premier abord, tout ce qui tourne aussi autour du tourisme d'affaires. C'est-à-dire que vous pouvez très bien proposer, et nous on l'a fait sur une de nos exploitations, d'accueillir des réunions professionnelles qui sont suivies ensuite d'un événement type dégustation, par exemple, ou promenade dans le vignoble, survol en hélicoptère ou en montgolfière. Et puis enfin, il y a le phénomène vinothérapie également qui se développe, dont un des précurseurs, un des pionniers mondiaux est également à Bordeaux. Donc voilà, ça c'est un petit peu le panorama global de ce que l'on peut mettre dans le no-tourisme sans être exhaustif et sans être limitatif, bien évidemment. Si très rapidement, Anna, on regarde le déroulé, en fait on considère, nous, économistes, que le no-tourisme est réellement né dans les années 70, même s'il y avait déjà des prémices dans d'autres régions, en Alsace, en Afrique du Sud ou ailleurs. On considère que ce sont vraiment les États-Unis, avec un vrai business model, qui se sont inscrits vraiment comme les précurseurs, comme les pionniers de le no-tourisme. Le premier étant Robert Mondavi, qui est considéré comme étant en quelque sorte le précurseur et le premier à avoir proposé une visite et une dégustation de sa propriété californienne. Alors évidemment, tout le monde a trouvé l'idée géniale et tout le monde s'est engouffré là-dedans. Et actuellement,
il faut considérer les États-Unis comme étant la première œno-destination au monde. Les précurseurs sont aussi les leaders. Et en moyenne, et ça c'était évidemment aussi les chiffres avant la pandémie, environ 15 millions de visiteurs tous les ans, dont bien évidemment un énorme focus sur Napa Valley, qui est la première zone au monde la plus visitée, avec environ 5 millions de personnes tous les ans. Alors, il faut savoir pour la petite histoire que Napa Valley est le deuxième site le plus visité en Californie après Disneyland Los Angeles. Donc, c'est vous dire l'ampleur de ce que ça peut représenter en termes de business. Alors après, tous les pays se sont engouffrés là-dedans, c'est ce que vous pouvez voir sur ces photos, avec parfois des chiffres très impressionnants, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Chili, en Argentine et ailleurs, avec des modèles économiques qui sont parfois tout à fait stupéfiants. Mais et comme moi j'ai la chance, comme le disait Hélène, de travailler aussi beaucoup à l'étranger en tant qu'expert pour le ministère, on peut trouver aussi l'œnotourisme dans des régions très reculées, ou dans votre pays, par exemple la Géorgie, bien évidemment, sur lequel je suis allé plusieurs fois et sur lequel je serai probablement encore le mois prochain. Donc, on en trouve aussi à Madagascar, on le trouve aussi en Bolivie, je l'ai trouvé au Kosovo ou ailleurs. Donc, ça fait vraiment partie complètement, je dirais, d'un modèle économique de développement et c'est ce que je vous dirai en conclusion de cette première partie dans quelques instants. Tourisme, no-tourisme en France, je me suis permis de vous mettre quelques chiffres clés. Alors, bien évidemment, là aussi, ce sont les chiffres avant pandémie. La France est privilégiée, puisque la France est la première destination touristique mondiale. Selon les années, c'est entre 70 et 90 millions de touristes qui viennent en France, qui rêvent de voir la Tour Eiffel, qui rêvent de voir le Mont-Saint-Michel ou les châteaux de la Loire, et qui de plus en plus rêvent également de voir les vignobles français et les très grandes étiquettes, les grands crus qui le font le plus rêver. C'est une activité extrêmement puissante désormais en France, puisque la France est désormais considérée, après les États-Unis, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, comme la deuxième destination œno-touristique au monde, plus de 10 millions d'œno-touristes, et quasiment à parité français et étrangers. Voilà, vous avez quelques chiffres et puis vous avez aussi une petite carte qui vous donne les principales destinations, Bordeaux, Champagne, Alsace, Bourgogne, c'est-à-dire les vignobles qui ont la meilleure réputation, qui sont les plus connus au monde, par exemple. Si nous regardons maintenant, et ça répond à la question qui vous a été posée dans le chat, voilà les réponses que nous, on formule. Alors, bien évidemment, ce sont les réponses économiques, on est bien d'accord, parce que l'amour du vin, la passion, la communication, on y est, ça, il n'y a pas de doute. Mais pour nous, économistes, pour nous, universitaires, le no-tourisme est maintenant intégré dans tous les business plans, dans tous les business models. Pourquoi ? Parce que c'est considéré comme une nouvelle forme de développement et de valorisation des wineries. C'est un nouveau marché, un nouveau business, une nouvelle source de profit également. Vous voyez, juste avant, là, j'étais en cours avec des étudiants et je leur disais, vous savez, nous, on est concernés par le changement climatique. Il y a certaines années où on va geler, on va grêler, on peut avoir une attaque de mildiou. Eh bien, si vous avez à côté une autre activité qui peut être le no-tourisme, eh bien, vous avez des rentrées financières que vous n'aurez peut-être pas. Si vous n'avez pas de vin ou si vous avez des problèmes de rendement, si vous avez des problèmes de gel, si vous avez des problèmes climatiques. Donc finalement, le no-tourisme, c'est tout ça, mais plus encore, et Estelle vous en parlera bien évidemment, c'est aussi un nouveau moyen de communication, c'est aussi un nouveau moyen de vendre les vins, clairement, c'est une nouvelle manière de vendre les vins et beaucoup de viticulteurs sont venus là aussi par là parce que ça peut être un nouveau levier de communication et de commercialisation en quelque sorte. Et puis, c'est, je dirais, en tant qu'économiste sociologue en quelque sorte du consommateur, c'est aussi une nouvelle manière de connaître et de satisfaire le consommateur. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et enfin, pour nos régions viticoles, et je pense que c'est la même chose d'ailleurs en Géorgie, c'est aussi un nouveau moyen de développer les zones rurales et de créer des emplois dans des zones qui parfois sont en difficulté ou pour lesquelles l'activité agricole n'est peut-être pas aussi, aussi profitable. Donc, c'est un nouveau secteur économique à temps complet, en quelque sorte, hein, et en totalité. Alors maintenant, si on focus sur une deuxième partie, sur l'expérience bordelaise, alors l'expérience bordelaise, elle est étonnante, et c'est pour ça que je pense que c'est bien qu'on partage cette expérience ensemble, c'est que, en fait, l'expérience bordelaise, c'est un petit peu un ovni.
On était très en retard, on est parti de zéro et actuellement, on est la première destination européenne et la deuxième mondiale derrière Napa Valley, avec des chiffres hallucinants qui, là aussi, sont avant pandémie, bien évidemment, hein, puisque la pandémie a tout arrêté. Et Bordeaux, donc, s'est totalement réveillé alors que Bordeaux était très en retard sur le no-tourisme. Alors, c'est la petite histoire que je vais vous raconter. Je vous amène en quelques minutes faire un joli voyage du côté de Bordeaux. Alors, simplement sur cette diapo, je vous ai rappelé quelques chiffres de ce que représente le vignoble bordelais. Comme ça, on peut le comparer aussi au vignoble géorgien. Bordeaux, c'est quand même une belle machine. C'est considéré comme étant le plus grand vignoble au monde pour les vins de qualité, plus de 112 000 hectares, 6 000 exploitations viticoles, 300 maisons de négoce. Tous les ans, on produit entre 700 et 800 millions de bouteilles de vin, plutôt du rouge, à plus de 80% du rouge. Et puis, bien évidemment, une énorme locomotive. Et cette locomotive, ce sont en particulier les grands crus classés qui sont connus dans le monde entier. Donc, je pense évidemment à Petrus, à Ikem, à Mouton Rothschild et à toutes ces étiquettes qui font rêver le monde entier. Alors, vous voyez où je veux en venir, bien évidemment, c'est que ces belles étiquettes qui font rêver le monde entier vont être désirées par le monde entier. Et c'est ça qui est très intéressant, très important pour le tourisme. Alors, si on regarde la diapo suivante, je vous disais que finalement, le tourisme même, c'est quelque chose de nouveau à Bordeaux. Nouveau pourquoi ? Ben parce que, si vous voulez, finalement, Bordeaux, c'était une ville de 250 000 habitants, avec une banlieue et une totalité de métropole de 1 million d'habitants, qui avait un autre modèle économique. Une ville qui avait un très gros retard touristique. Moi, je suis né à Bordeaux et quand j'étais jeune, la ville de Bordeaux, vous allez la voir en photo un petit peu plus loin, c'était gris, c'était sale, c'était une belle endormie, tout était fermé. On avait quelques touristes dans le centre de la ville, c'était en juillet et en août, mais les gens ne venaient en juillet et en août chez nous que pour l'océan Atlantique, pour le soleil, pour la plage, pour se baigner, et ils venaient éventuellement à l'intérieur des terres, dans la ville de Bordeaux ou autour des vignobles, les jours de pluie. Le problème, c'est que ça n'intéressait personne, et surtout pas les viticulteurs, et que tout était fermé. Il n'y avait pas de bar à vin, pas de route des vins, toutes les exploitations étaient fermées, c'est ce que vous aviez sur la diapo précédente. Et puis, il y a une vingtaine d'années, le no-tourisme n'existant absolument pas, les viticulteurs se demandaient, en fait, pourquoi développer le no-tourisme ? Pourquoi les autres y vont et pas nous ? Je n'ai pas le temps de le faire, j'en ai pas besoin, je ne vois pas l'intérêt. Bordeaux suffisait. Vous savez, quand on a le nom Bordeaux sur l'étiquette de votre vin, la plupart du temps, ben, ça suffit pour le vendre, quoi, quelque part. Ça suffisait, en tout cas, pour le vendre. Donc, il n'y avait aucune remise en question. Il y avait le modèle de vente directe et d'accueil n'avait jamais existé à Bordeaux. On avait de très gros marchés en France et à l'exportation. On mettait Bordeaux sur l'étiquette et le vin était vendu. Ça a très bien marché jusque dans les années 90. Mais il y a trois raisons qui ont tout changé et qui ont fait que Bordeaux, il y a une trentaine d'années, s'est dit « je suis en train de passer à côté d'un phénomène ». C'est le développement touristique et probablement le développement œnotouristique derrière. Alors, ces trois raisons, vous les avez sur la diapo suivante, sur les diapos suivantes. Donc, la première raison, c'est justement qu'on s'est aperçu que le marché mondial du vin avait complètement changé. Bordeaux se retrouvait concurrencé sur ses propres marchés par de nouveaux producteurs qui arrivaient et avec des techniques marketing et de communication qui étaient inédites et très agressives. Je pense à l'Australie, je pense à la Nouvelle-Zélande, je pense au Chili, je pense aussi même à l'Espagne ou à l'Italie. On était les premiers, mais on s'est retrouvés concurrencés de toutes parts. Et donc là, on s'est dit, avec la mondialisation, il y a de nouveaux producteurs qui arrivent avec de nouveaux vins et on a perdu des parts de marché à l'étranger. Et en plus, en parallèle, en France, la consommation de vin a chuté très rapidement aussi. De phénomènes sociologiques, de chute de la consommation du vin. Donc, tout ça a amené les acteurs du vin, du secteur du vin, à se dire, bah là, il faut absolument que l'on cherche de nouvelles sources de commercialisation, de communication, sinon on va reculer très, très vite. Deuxième raison,
sur la diapo suivante, c'est qu'en parallèle, le tourisme mondial, lui, a explosé. Le tourisme, comme je vous l'ai raconté en préambule, est né il y a environ 100-150 ans et a longtemps été réservé à une élite qui en avait les moyens. Et puis, finalement, le tourisme s'est démocratisé, le tourisme s'est mondialisé. L'aviation civile a aussi tout changé. Ça veut donc dire que maintenant, un Américain peut venir en vacances en Europe pendant une semaine. C'est pareil pour un Chinois. Tout s'est accéléré. Et donc, forcément, le tourisme a cherché aussi à se développer et a cherché à vendre quelque chose à ses touristes potentiels. Le vin s'est inscrit et a coché une case qui est assez originale, c'est de dire, nous avons quelque chose à vendre et qui peut plaire à des consommateurs scandinaves, à des consommateurs canadiens ou à des consommateurs américains. Il n'y a pas que les plages, il n'y a pas que les jolis châteaux en France, il y a beaucoup d'autres choses à voir. Et la troisième raison, c'est que Bordeaux s'est doté d'un nouveau maire et que ce nouveau maire est arrivé avec une stratégie, ancien Premier ministre de la France, et a dit, Bordeaux, c'est la belle endormie, Bordeaux a besoin de se réveiller et Bordeaux a besoin de s'ouvrir. Et donc, il a engagé une stratégie de développement juste monstrueuse, une stratégie de rénovation également, c'est ce que nous allons voir en photo dans quelques instants. Et lui aussi est venu avec, en se disant à l'idée, Bordeaux est la capitale mondiale du vin, reste la capitale mondiale du vin. Si la ville de Bordeaux s'ouvre, se rénove, se fait plus belle, se fait moins triste, elle doit aussi redevenir quelque part la capitale mondiale du vin. Alors, ça a été, pour tous les esprits, ça a été quand même assez, assez bouleversant. Le maire Alain Juppé a dit Bordeaux doit devenir une nouvelle destination touristique. On doit promouvoir la marque Bordeaux et rappeler en permanence que Bordeaux est et reste la capitale mondiale du vin. Donc, du coup, Bordeaux ne peut pas rester à côté de ce phénomène économique qu'est le tourisme et le tourisme du vin. À partir de là, il a mis en place un travail collaboratif. C'est ce que vous aviez sur la diapo suivante. C'était la précédente, alors, excuse-moi. il a fait travailler tout le monde autour de la table. Il a mis les collectivités territoriales, il a mis le secteur du vin, le secteur du tourisme, toutes les entreprises qui travaillaient dans le tourisme, et il leur a dit, on va structurer l'offre touristique. Et Estelle vous en parlera tout à l'heure aussi, puisqu'elle fait partie aussi de ce mouvement. Et parallèlement, il a engagé des travaux absolument gigantesques dans la ville, de rénovation des bâtiments, de l'aéroport, de la gare, des incitations à développer les projets également, des incitations sous forme d'aides, de subventions ou de fiscalité attrayante. Il a changé complètement le centre-ville de Bordeaux, c'est ce que vous allez voir. Et puis, ça a été aussi l'émergence de nouveaux grands projets. C'est ce que vous verrez dans quelques instants en images. Et donc, Bordeaux a investi le secteur économique du tourisme et de l'onotourisme dans une sorte de partenariat public-privé. C'est-à-dire que tout le monde a dit, on suit monsieur le maire, c'est probablement une très bonne idée, ça va nous aider. On est concurrencé par la mondialisation sur le vin. Il y a ce nouveau phénomène économique mondial qui s'appelle le tourisme de masse. On doit réussir à capter une partie de cette manne économique qui est en train de se développer. Alors, une des premières choses et une des choses qui est vraiment capitale, fondamentale, c'est que lui, en tant que maire de la ville, il a structuré un office de tourisme. Office de tourisme qui est en quelque sorte le booster et la table d'orientation. C'est-à-dire que là, c'est le secteur public qui dit, moi, je mets à la disposition des acteurs privés, c'est-à-dire les wineries, les tour opérateurs, tous les prestataires touristiques, moi, j'aide en créant un outil de développement du tourisme et de l'onotourisme. Alors là, je vous ai mis deux, trois photos de ce que l'on peut voir dans l'office de tourisme de Bordeaux. Donc, l'office de tourisme de Bordeaux, qui est d'ailleurs un tout petit peu à l'étroit les jours où il y a beaucoup de passages, mais l'office de tourisme joue un rôle absolument principal. Il tient aussi un rôle, évidemment, statistique, qui est très important. C'est comme ça qu'on a des chiffres, que l'on connaît le type de consommateur, le type de clientèle que l'on a à Bordeaux. Et ça, c'est un des facteurs clés
du succès, c'est que ce n'est pas tout de dire « je vais développer le tourisme ou le no-tourisme », mais qui va venir chez moi ? Quel est le consommateur ? Quel est le touriste ? Quel est le visiteur que j'ai envie d'avoir chez moi ? Donc, et donc, à partir de là, le patron du patron étant le consommateur, eh bien, il va falloir se dire « bon ben, je peux faire ce type de tourisme, je peux éventuellement me positionner sur ce type de marché ». Donc, des grands travaux ont été engagés, en particulier pour rénover la totalité du centre-ville. Donc là, vous avez quelques images de ce qui est maintenant. Je vous propose une petite visite touristique, finalement. Je fais, voilà. Donc, avant, après, vous voyez, hein, le centre-ville de Bordeaux, comme il a été modifié. Hein. Donc, vous voyez, en haut, c'est gris, c'est moche, c'était triste. Voilà, il y avait des voitures partout. Et donc, avec la rénovation, eh ben, la ville est devenue absolument magnifique. Tu peux défiler les diapos, Anna, donc pour montrer un petit peu à quoi ressemble voilà, notre ville maintenant. Donc ça, c'est la place de la Bourse, qui est maintenant, je dirais, quasiment l'épicentre du tourisme bordelais, et même girondin, avec son miroir d'eau. Vas-y, vas-y, continue, Anna. Anna ? Voilà, quelques photos. Voilà, c'est le port, vous voyez. Donc, des modifications extrêmement profondes pour rendre la ville attractive. Et puis, donc, comme je vous le disais, la mairie a été également porteuse, initiatrice de très gros projets où la mairie ou des collectivités territoriales avec des opérateurs privés. Donc, un énorme festival de week-end de marathon, par exemple, des grandes foires internationales, vous savez, qui sont très importantes, comme Vinitech ou Vinexpo, des week-ends de dégustation, ou alors des événements privés et des projets privés, des investissements privés. Là, vous en avez un qui est vraiment très symbolique et qui est, à mon avis, pionnier au niveau mondial. C'est donc les sources de Caudalie, marque qui est devenue très connue, qui a été développée dans les années 90. Là, vous avez par exemple le marathon du Médoc, qui est aussi un événement onotouristique. Voilà, donc le privé et le public s'est mis en rang, en quelque sorte, hein, pour unanimement développer le tourisme et le no-tourisme dans nos vignobles et sur notre territoire. Voilà, tu peux passer, Anna. Oui, c'est bon. C'est bon, tu peux passer la suivante. Tu ne peux pas passer la suivante. je dirais, la cerise sur le gâteau, ça a été la Cité du Vin. Donc, la Cité du Vin, évidemment, extrêmement importante. La Cité du Vin, c'est un événement que vous auriez dû avoir en photo sur une des diapos. La Cité du Vin, voilà. La Cité du Vin, qui est un énorme investissement de 85 millions d'euros, 30 ans de travail. Moi, quand j'étais étudiant, on en parlait déjà, on commençait à y réfléchir. Et qui est en quelque sorte un totem, un monument emblématique pour rappeler que Bordeaux est la capitale mondiale du vin. Et la Cité du Vin a pour objectif d'accueillir le monde entier et tous les vins du monde entier. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, je suppose que vous le savez, mais à l'inauguration de la Cité du Vin, la première grande exposition, c'était bien évidemment la Géorgie, parce que la Géorgie est le berceau de la civilisation de la vigne et du vin. Et donc, durant 6 mois, il y a eu une exposition absolument magnifique sur la Géorgie, qui a connu un succès et avec une très, très belle inauguration également, avec beaucoup de personnalités qui sont venues de Géorgie, en particulier un ministre, pour l'inauguration. La Cité du Vin, c'est un énorme succès, c'est un énorme booster. Les 26 premiers mois, c'est 1 million de personnes qui l'ont fréquenté et c'est un produit qui continue à très, très bien se vendre. Il y a maintenant des gens qui viennent d'Espagne ou d'Allemagne uniquement pour la Cité du Vin, ou au moins dans un premier temps pour visiter la Cité du Vin. C'est un petit peu comme à Bilbao, le Guggenheim, ou c'est comme par exemple à Paris, la Tour Eiffel. Alors avec tout ça, avec tous ces efforts que l'on a fait pendant une vingtaine d'années, Bordeaux a connu un énorme succès. Il y a toujours un risque quand on fait un développement économique de cette part, et quelque part le risque a payé. Alors en effet, Bordeaux, la ville de Bordeaux a été élue avec tous les efforts qui ont été faits par le public comme par le privé. European Best Destination, par exemple, en 2015, et a cumulé en fait les rankings, les classements au niveau mondial.
au point que l'année la plus belle a été 2017, où la ville de Bordeaux a elle seule accumulé probablement plus de 7 millions de touristes. Alors vous savez que ce n'est pas facile à quantifier, parce que les statistiques, ce n'est pas facile. C'est un pointage que fait évidemment l'Office de tourisme, mais forcément, des gens peuvent très bien passer une demi-journée dans un village ou visiter une exploitation viticole et ça ne sera pas comptabilisé. Mais en gros, c'est l'estimation qu'on peut avoir. Et donc, là, tu peux passer à la diapo suivante, Anna. En effet, Bordeaux maintenant est la ville, une des villes au monde les mieux classées ces trois dernières années, dans toutes les catégories, et même la catégorie « il fait bon étudier, il fait bon faire du vélo », etc., etc. Donc, très joli succès de Bordeaux. Et je vous ai mis quelques diapos en suivant pour vous montrer ça, en particulier sur la partie gastronomique, parce que la gastronomie est désormais un point saillant du développement touristique bordelais. Bordeaux, donc, maintenant, s'inscrit comme une destination complète, où on peut aussi bien faire la fête que faire du shopping, que se promener avec des enfants. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Alors, vous voyez qu'on est très loin des images d'il y a 20 ou 30 ans que je vous montrais. C'est devenu aussi, diapo suivante, une place forte de la gastronomie au niveau mondial, avec certains chefs étoilés très, très célèbres en France et dans le monde, avec des restaurants étoilés. Et même, oui, tu peux dérouler les diapos, il n'y a pas de problème, Anna. Et même, c'est la plus grosse concentration de restaurants que l'on puisse trouver en France, avec un nombre de restaurants absolument hallucinant et pour tous les goûts, et avec des endroits, des investisseurs privés qui ont développé des choses vraiment très, très originales. Et il y a même une route des vins urbaine, c'est-à-dire que vous pouvez vous promener de bar à vin en bar à vin et de caviste en caviste pour, voilà, en quelque sorte, comme s'il y avait une route des vins dans la campagne, et bien c'est une route des vins dans le centre-ville. Donc, Bordeaux, pour cette partie, est devenu quelque part une destination extrêmement branchée. Mais si on en conclut sur cette partie, quelque part, c'est 20 ans de promotion, 20 ans de communication, de travail, pour réaffirmer que Bordeaux est une ville qui existe, que c'est maintenant une ville accueillante, qu'elle est agréable touristiquement et que c'est cette promotion qui a fait quelque part la force de la marque de Bordeaux. Et que Bordeaux, c'est le vin, mais ce n'est pas que le vin. Comme disent les Américains, c'est « a full destination », c'est une destination absolument complète. Alors ça, on y est très attaché aussi. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'en fait, quand quelqu'un vient à Bordeaux, oui, il a l'idée que Bordeaux est la capitale mondiale du vin, mais finalement, il va y consacrer une demi-journée, une journée. Donc, si on veut qu'il dépense plus d'argent, qu'il reste plus longtemps, qu'il aille dans les restaurants, dans les hôtels, il ne faut pas lui vendre que le vin. Il faut lui vendre d'autres choses. Donc, c'est pour ça qu'on a énormément travaillé aussi sur les autres aspects. Et c'est pour ça que je vous disais que maintenant, on peut y faire du shopping, la fête, etc. Énorme succès également, c'est ce que vous avez à l'écran là en suivant, le village de Saint-Émilion, donc diapo suivante, le village de Saint-Émilion qui est, diapo suivante Anna, qui est donc un village d'un peu moins de 2000 habitants et qui reçoit plus d'un million et demi de touristes tous les ans. C'est un des villages viticoles les plus fréquenté au monde, peut-être même le plus fréquenté au monde. Voilà, vous avez quelques images. Alors parfois, alors c'est vrai que ça fait râler un petit peu quand je le dis, hein, mais parfois j'ai l'impression en juillet août que ça ressemble un petit peu à Disneyland du vin, parce que vous le voyez dans les images. Bon ben, le tourisme c'est devenu le moteur véritablement de cette petite région de Saint-Émilion. Mais que parfois, on arrive à une sorte de surtourisme, quoi. Et par exemple, l'année dernière, pour le Tour de France, c'était absolument impossible d'accéder au village pendant 3 jours, tant il y avait de monde. 1,5 million de personnes à l'année dans un village de 2000 habitants, ça pose évidemment des problèmes de poubelles, de déchets, de parking, de circulation. Bon, voilà. Alors ça, c'est un petit peu, on va dire, le revers de la médaille. Pour terminer sur cette deuxième partie, je ne pouvais pas quand même tout de même ne pas évoquer la pandémie. Alors, pour la pandémie, nous, économistes, forcément, on se pose beaucoup de questions. Alors là, j'écoutais ce matin en venant les premiers chiffres qui semblent très bons pour les réservations touristiques de l'année à venir, de 2022. Donc, nous, ce que l'on espère, c'est que le tourisme va repartir. On espère, comme on dit, nous, « tourisme revenge », une revanche du tourisme.
dans les années à venir. Et je pense qu'on ne va pas se tromper quand on voit les premiers chiffres et les premiers chiffres de réservation. Que veut le touriste ? Va vouloir le touriste ? Alors, nous, c'est ce que l'on appelle économiste « staycation, nearcation ». Stay vacation, near vacation, selon l'expression américaine. C'est-à-dire que très probablement, encore en 2022, en 2023, les touristes ne vont pas se projeter dans des grands voyages. Ça veut donc dire qu'à Bordeaux, par exemple, en France, on a peu de chances d'avoir beaucoup de touristes américains ou asiatiques. Et que l'on va donc, entre guillemets, se contenter des Français et des Européens. Alors ça, évidemment, il faut l'intégrer dans son modèle commercial. Et puis, on sait aussi qu'avec la pandémie, avec les confinements, eh bien, les touristes, de plus en plus, ils vont chercher la nature, les espaces, l'air libre. Et donc, forcément, Bordeaux et le no-tourisme ont des choses à vendre là-dessus. Alors, c'est pour ça qu'on organise beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de soutien. C'est ce que vous aviez sur la diapo précédente. Alors, évidemment, un soutien de l'État très fort, la mise en place d'un guide pour accueillir pendant la pandémie. Voilà, le retour des grands événements à Bordeaux après une année terminée, de la promotion à Paris, par exemple, dans le métro, c'est ce que vous avez en bas de cette diapo, ou la création de nouveaux événements comme les journées portes ouvertes, le retour de ces événements-là. Et puis aussi un projet très important qui va se dérouler, qui devrait se développer du côté de Saint-Émilion avec un objectif de créer une sorte de deuxième pôle par rapport à la Cité du Vin et qui pourrait recevoir jusqu'à 6 millions de personnes par an. En tout cas, c'est ce qui est annoncé par l'investisseur qui est un investisseur privé et qui aimerait donc, sur une ancienne caserne militaire, développer un énorme projet. Pour terminer, quelques facteurs clés du succès. Je pense que je suis à l'heure, Hélène. Je continue oui. Encore 5 minutes ? Oui. Qu'est-ce qu'on dit ? Oh, allez, je te laisse encore 5 minutes, vas-y. Allez, 5 allez. Minutes pour ouais. Évoquer quelques facteurs clés du succès. Donc, on peut passer à la diapo suivante, après cette magnifique photo. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, je pense qu'un des facteurs clés du succès, c'est de se dire qu'il faut y aller ensemble. Et ça, c'est quelque part un petit peu la conclusion de tout ce que je vous ai dit là sur Bordeaux. C'est que ce qui a fait le succès un petit peu fulgurant de Bordeaux, alors que nous, on partait avec 40 ans de retard par rapport à d'autres régions, c'est que tout le monde s'est mis en ordre de marche pour développer le tourisme et le no-tourisme. Donc, les privés comme le public, c'est-à-dire l'ensemble du territoire. Et c'est ce que vous avez ici. L'ensemble du territoire, parce que les propriétés viticoles ne sont pas des îles désertes, que les consommateurs ne viendront pas chez vous par hasard, et que forcément le territoire, lui, il amène également des infrastructures, d'autres activités. Comme je vous le disais, un touriste, il ne veut pas simplement visiter une exploitation viticole, ce n'est pas vrai. Il veut également certaines facilités, et ces facilités, ça sera peut-être une activité sportive, une activité pour ses enfants, il veut évidemment un restaurant, il veut également des chambres d'hébergement, etc. Donc ça veut dire que il faut y aller tous ensemble et c'est un développement collectif. Ce territoire, il a aussi une population. Il faut que cette population ait envie d'avoir des touristes qui viennent chez eux. Ce n'est pas pour rien que je vous ai parlé de Saint-Émilion, un village de 2000 habitants avec 1,5 million de touristes. Je connais certains endroits en France et dans le monde qui n'ont pas envie de développer le tourisme parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des queues de voitures, des files de voitures dans leur vallée. Qu'ils n'ont pas envie de voir débarquer, entre guillemets, des étrangers qui viennent passer 2 heures, éventuellement laisser pas mal de déchets, de poubelles, des choses comme ça. Donc, il faut évidemment une adhésion également de la population. Le tourisme ne se développe qu'avec l'adhésion de la population. Et puis, il ne faut pas se mentir aussi, le tourisme se développe avec un potentiel naturel. Alors, clairement, en Géorgie, ce potentiel naturel, il y est. Se développe aussi avec ce que l'on peut appeler les facilités, c'est-à-dire les infrastructures, routes, signalisations, etc., et puis probablement avec des acteurs privés. Donc, c'est pour ça que dans quelques instants, je vais laisser la parole à Estelle, qui va vous montrer justement comment elle s'intègre dans cette démarche collective. Et puis également, le rôle du collectif, c'est-à-dire du service public. Le service public, les mairies, les départements chez nous, l'État français, sont là pour impulser, sont là éventuellement pour financer un certain nombre de choses. Et les entreprises, elles, les privés, les wineries, elles doivent être des locomotives. Et le territoire doit valoriser la totalité. Donc, la totalité, c'est quoi ? C'est des jolis paysages, c'est une très belle église.
Il y a énormément de choses à vendre. Ce que je serais tenté de dire à titre de conclusion, et puis après on reviendra sur un certain nombre de détails si vous le souhaitez, et puis de toute façon je vous laisserai la totalité de mon intervention avec un certain nombre d'éléments sur ces facteurs clés du succès, c'est que finalement maintenant le vin est une opportunité pour le tourisme est une opportunité pour le vin. Il faut bien avoir ça en tête. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le touriste est exigeant, il cherche des prestations de qualité professionnelle. Il faut bien cibler le type de clientèle que vous recherchez. Il y a des choses qui sont à éviter, puisque moi je le vis au quotidien sur les exploitations viticoles que je suis, c'est qu'il faut aussi avoir conscience qu'à partir du moment où vous lancez un projet œnotouristique sur votre exploitation viticole, c'est quelque part transformer votre exploitation viticole, qui est un lieu familial, professionnel, de travail, en un lieu d'accueil. Vous allez ouvrir votre exploitation, quelque part vous allez devenir prestataire touristique. Ça veut donc dire qu'il y a un certain nombre de contraintes, il y a un certain nombre de choses à intégrer. Il faut que vos salariés l'aient compris, il faut parler les bonnes langues, il faut avoir les espaces d'accueil, et il faut se dire que votre exploitation, du coup, devient aussi un terrain de jeu pour des personnes étrangères à la viticulture. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut faire le succès ou l'échec d'un projet viticole, œnotouristique. Il faut vraiment avoir ça en tête, c'est de se dire, oui, si je me lance définitivement dans un projet œnotouristique, clairement, ça veut dire que j'intègre dans mon modèle économique et dans mon lieu de vie le fait que mon exploitation soit ouverte et que j'ai des gens qui, par exemple, viennent le dimanche, etc. etc. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Merci beaucoup Stéphane, effectivement, pour ce panorama, ce retour sur l'expérience bordelaise. Et puis, je pense que les messages sont passés, hein. Il faut la jouer collective si on veut y arriver. Par exemple. Donc, voilà. Après, on pourra, évidemment, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans le module questions-réponses. On y répondra à la fin. On aura une demi-heure consacrée aux questions. Donc, ne soyez pas timide, n'hésitez pas. Avant de passer à la présentation d'Estelle, on vous resollicite sur deux petites questions, un quiz, pour voir un petit peu si vous avez suivi la présentation de Stéphane. Donc, vous avez le lien sur lequel vous pouvez cliquer dans le chat. Donc, allez-y, cliquez sur le lien. Nous, on va partager l'écran pour vous, que les questions s'affichent et vos réponses. Alors, Anna, je te laisse partager. Donc, ça vous laisse le temps de cliquer sur le lien. Comme ça, on aura un peu plus de réponses peut-être. OK, donc, vous êtes prêts? Première question. What is the main nationality that visits Bordeaux's wine tourism? Aha. Alors, donc, vous avez le choix entre des Allemands, des Géorgiens, des Américains ou des Français. Donc, quelle est la nationalité qui visite le plus Bordeaux? Je ne joue pas. Tu fais des activités. Bon, Stéphane, tu ne joues pas, mais tu ne donnes pas encore la réponse. Hein, attends. On attend d'avoir encore un petit peu plus de réponses. Alors, ça commence à se creuser un petit peu l'écart. Est-ce que la Géorgie va passer en tête peut-être dans les réponses là? Allez, on vous laisse encore quelques petites secondes pour répondre. OK, donc merci à ceux qui ont participé. Donc Stéphane, si tu veux, je te laisse départager tout ça, nous dire quelle est la bonne... Est-ce que c'est la bonne réponse qui a remporté le plus de suffrages? Tu peux remettre ton micro. Je remets mon micro. Alors non, ce ne sont pas les Géorgiens. Non, malheureusement. Alors, ce sont les Français. Les Français. Absolument. Ce sont les Français, donc c'est une moyenne de 60-40, en gros, hein, selon les années.
Et ensuite, dans les publics étrangers, ce sont essentiellement les Européens, surtout ces dernières années. Donc, les Espagnols, les Allemands, les Hollandais, les Britanniques, absolument. Les Français connaissent mal la France. Et les Français, par contre, s'intéressent énormément à la vigne et au vin. Et en plus, les Français sont très attirés par la côte atlantique. Donc, on capte les Français. Alors, ça a un très gros avantage parce que les Français sont mauvais pour les langues. Et ça veut dire que quand vous développez le no-tourisme, souvent, c'est mieux pour vous de recevoir des Français qui parlent la même langue que vous que des Allemands pour lesquels vous ne parlez pas l'allemand, par exemple, ou des Géorgiens pour lesquels vous ne parlez pas le géorgien, voire l'anglais. Ça, c'est une très grosse difficulté qu'on a, c'est la barrière de la langue, clairement. Bien sûr, c'est clair. Alors, donc on passe. La deuxième question est déjà affichée à l'écran. Vous avez eu un deuxième lien dans le chat sur lequel il faut cliquer. C'est un lien différent de la question précédente. Donc, si vous voulez participer, il faut cliquer sur ce deuxième lien. Et donc là, on vous demande depuis quand le no-tourisme s'est développé à Bordeaux. Donc, trois possibilités. Ça existe depuis des siècles. Ça s'est développé il y a des siècles. Ça s'est développé il y a seulement 10-15 ans ou alors ça s'est développé il y a approximativement 50 ans. Alors, allez-y, réfléchissez bien. La réponse vous a été donnée dans la présentation de Stéphane et ce n'est peut-être pas la réponse à laquelle on s'attendait d'ailleurs. Donc, allez, on vous laisse. Donc, on est à 17 participants. Si on pouvait arriver à la petite vingtaine, ce serait plus représentatif parce que vous êtes quasiment 40 connectés. Donc C'est amusant, ton petit jeu. Ouais, c'est pas mal. Tu pourras l'utiliser avec tes étudiants en cours. C'est très facile. Absolument, oui. Absolument, tout à fait. Très bonne idée. Mettre fin au suspense. Effectivement. D'accord. Ah, Stéphane, t'es revenu ? Oui, je suis là. Ok, donc regarde, les résultats s'affichent à l'écran. Ouais, il y a des mauvais élèves. Hein. Oh, mais quand même. Bon, c'est vrai qu'il y a un tout petit écart, mais on est d'accord que la majorité a bien répondu. La majorité a bien répondu, oui, c'est quelque chose de très tardif. L'arrivée, comme je disais, dans les années 90, jusque dans les années 80-90, finalement, Bordeaux ne se posait pas la question de la commercialisation. Finalement, il suffisait de mettre sur l'étiquette Bordeaux et c'était vendu. Et donc, c'est vraiment la mondialisation qui a créé en fait vraiment deux phénomènes, à la fois le développement du tourisme de masse avec l'aviation civile qui permet justement à des personnes de voyager. Et puis, de l'autre côté, les difficultés commerciales avec l'émergence de nouveaux pays producteurs sur nos marchés traditionnels à l'exportation. Donc, on s'est posé beaucoup de questions. Vous savez, je vous donne simplement une anecdote. Moi qui enseigne le marketing… Une petite anecdote courte, alors. Pas de problème. Le premier livre de marketing pour le vin, il date de 2003. Il n'a même pas 20 ans. Le premier livre de marketing pour le vin. Voilà, ouais. 2003. Alors, je ne vous parle pas du premier livre pour développer le no-tourisme hein, et même des formations. Alors, maintenant, il y en a beaucoup, mais voilà, on était très en retard là-dessus. Voilà, et donc, effectivement, le retard a été rattrapé quand même. On peut dire qu'il y a encore évidemment des progrès, hein, toujours. Mais... toujours, tout à fait. OK, donc maintenant qu'on a eu ce panorama, on va parler d'une solution technique, on pourrait dire, enfin, que Estelle a développée, donc elle va nous présenter. Pour justement gérer toutes les prestations non touristiques qu'on peut vouloir développer sur sa propriété. Donc, écoute, Estelle, à toi la parole. Ton PowerPoint apparaît à l'écran, version géorgienne. Très bien, c'est très joli. Donc, écoutez, bonjour. Donc, je suis Estelle Depince. Voilà, je travaille dans la filière vin depuis 25 ans. Depuis 10 ans, on travaille pour aider les domaines viticoles à se développer, pour recevoir. Alors, je ne vais pas utiliser les mêmes mots que Stéphane, parce que j'ai un angle différent, puisque je suis en théorie une femme du vin. Je ne suis pas une femme du tourisme. Et donc, j'ai peut-être une vision qui est un petit peu différente, en tout cas qui a un autre angle que celle que Stéphane vient de vous évoquer, sur le fait de comment développer l'activité de nos touristes. Donc, si on peut passer à la slide d'après, voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Donc, Stéphane, il a expliqué qu'en fait, en gros, effectivement, il faut travailler ensemble sur un territoire. C'est plus facile
pour effectivement arriver à intéresser un amateur de vin à venir sur un territoire. Mais un amateur de vin, moi j'utilise le mot amateur de vin parce que c'est ça qui va vous intéresser, plutôt qu'un touriste. Pourquoi? Parce qu'un touriste, encore une fois, la problématique de ce que vient d'expliquer Stéphane, c'est quand vous avez beaucoup d'activités complémentaires possibles, comme à Bordeaux, avec la Cité du Vin ou d'autres choses, eh bien, les amateurs de vin, en tout cas les visiteurs, ont tout leur budget de dépenses qui va passer là-dedans. Donc, effectivement, ça va être, du coup, ils auront moins d'argent pour ensuite aller dans les vignobles. Et on observe d'ailleurs qu'au niveau de la Cité du Vin, effectivement, il y a beaucoup de visiteurs, mais ces visiteurs ne vont jamais dans les vignobles directement après. Pourquoi? Parce qu'ils sont captés souvent par la filière touristique qui, en fait, leur vend des produits touristiques qui fait que l'amateur de vin dépense son argent à ce moment-là et ne dépense plus rien dans le vignoble. Donc ça, ça peut être une problématique, en tout cas pour les vignobles, parce que finalement, le domaine viticole est-il dépendant comme un hébergeur finalement du secteur touristique. Les hébergements dans les domaines viticoles géorgiens sur lesquels on est allé, effectivement, ont développé des hôtels, des restaurants, en s'adressant effectivement à cette clientèle touristique. À aucun moment, ils n'ont pu imaginer que peut-être ils pouvaient travailler sans ces acteurs et se développer sans ces acteurs. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le no-tourisme souvent est porté par la filière touristique, alors qu'elle peut être portée, et elle doit être portée, à mon avis, par la filière vin. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, la filière vin, à travers donc Georgian Wine, par exemple, et bien ce sont des acteurs qui sont rémunérés par la filière vin et qui peuvent vous aider à vous développer dans le tourisme sans que finalement ce visiteur soit contraint de payer des dépenses beaucoup avant, qui fait qu'il ne viendra plus dans votre vignoble et ne dépensera plus de vignoble. Donc, qu'est-ce qui se passe? Prenons le cas d'un visiteur sur cette slide que vous voyez. J'explique du coup cette slide. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Prenons le cas d'un amateur de vin qu'on appelle visiteur. Cet amateur de vin, il peut connaître votre bouteille parce qu'il la consomme, votre bouteille, dans un restaurant, chez lui, par ses amis, n'importe où. Cette bouteille, c'est le premier vecteur que vous avez pour communiquer avec ce consommateur. Aujourd'hui, la bouteille n'est pas utilisée comme vecteur de communication pour faire venir ce consommateur chez vous. Non, on ne change toujours pas de slide. J'explique le schéma qu'il y a. Mada, est-ce que c'est possible de parler au micro? C'est qu'en fait, parler à ce consommateur. Attends, donc, Estelle, excuse-moi. Oui? Est-ce que c'est possible de parler au micro, si vous avez le micro? Est-ce que tu as un casque? Les écouteurs? Oui, s'il vous plaît. Parce qu'apparemment, le son n'est pas assez net. Le son n'est pas net. D'accord, Marie. Donc, on va prendre un casque. D'accord. Est-ce que c'est mieux? Marie, est-ce que c'est mieux pour toi? C'est mieux. Au micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est mieux. Maintenant, c'est mieux. OK, c'est bon. C'est mieux? C'est mieux. Et parlez un petit peu fort, s'il vous plaît. Vas-y. Estelle, fais un test. Oui. Est-ce que là, c'est mieux? C'est plus net. C'est plus net. Ouais. Très bien. C'est plus net, ouais. Où est-ce que vous en étiez dans la traduction? Enfin, je recommence où? Tu parlais de Continuez. Vous parliez de l'étiquette. Le meilleur moyen de parler aux consommateurs de vin pour qu'ils viennent chez vous, c'est d'utiliser votre contre-étiquette. Pourquoi? Parce qu'en fait, directement, ce consommateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller directement sur Internet pour voir votre site Internet. Parce qu'en fait, le lien entre une bouteille, une étiquette, une contre-étiquette et vous, c'est Internet. Donc, l'existence d'Internet même, c'est un outil extraordinaire pour faciliter ce qu'on appelle le B2C, Business to Consumer. Et ça, le no-tourisme, en fait, c'est le B2C, c'est votre développement B2C. En tout cas, c'est ma vision. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ce visiteur, il peut déjà arriver par vous par ça. Donc, c'est sûr que les domaines viticoles qui produisent beaucoup de bouteilles, ils n'ont pas besoin des acteurs de gauche qui sont les intermédiaires. Pourquoi? Parce que quand on produit 2 millions de bouteilles, on a 2 millions de consommateurs potentiels. Et ces 2 millions de consommateurs vont venir. Alors, si vous distribuez vos vins en Géorgie, vous allez recevoir essentiellement des Géorgiens. Si vous vendez en Russie, vous allez essentiellement recevoir des Russes. C'est normal. Les statistiques dont Stéphane a parlé en disant « c'est telle petite nationalité qui viennent ou qui ne viennent pas » sont liées au réseau de distribution des domaines viticoles.
Donc, je ne parle pas des touristes qui, eux, viennent juste pour vivre une expérience, qui se fichent complètement du vin. C'est juste, voilà, ils n'ont même pas acheté votre vin. Donc, est-ce intéressant de recevoir ou pas? Ça, c'est une autre question auxquelles je ne répondrai pas aujourd'hui. Mais en tout cas, vous, votre intérêt en tant que domaine viticole et syndicat d'appellation viticole, c'est que ce sont ces consommateurs qui viennent parce que l'idée, c'est qu'ils puissent vous acheter du vin. L'idée, c'est que vous puissiez avoir une relation avec eux pérenne, avec des bases de données qui vont vous permettre, du coup, de les relancer, de leur vendre du vin, soit du coup en B2C en distance, soit parce que vous allez activer cette fidélisation et ils vont racheter votre vin dans les lieux de vente auxquels ils ont l'habitude d'acheter. Donc, deux solutions. Soit le visiteur, il arrive direct, et là, c'est le plus intéressant pour vous. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit, finalement. Il garde tout son budget pour vous. Soit vous êtes trop petit, vous n'avez pas assez de bouteilles, et là, effectivement, vous êtes totalement dépendant du secteur touristique qui va vous amener du monde. Donc, effectivement, vous allez pouvoir avoir des partenaires touristiques qui sont des offices de tourisme, qui sont des hôtels, autres, enfin voilà, qui vont permettre de rendre visible votre offre et de la rendre accessible. Quelle offre proposer ? Stéphane a dit, souvent, un domaine viticole, il va dire, venez comme ça, on fera une petite dégustation, il viendra. Oui, mais sauf que si les gens débarquent au même moment, c'est très frustrant parce que vous commencez un discours, vous devez recommencer un autre, ce n'est pas agréable pour le client et vous, pour vous non plus. Donc, la solution idéale pour le consommateur et pour vous-même, c'est d'avoir des prestations sur rendez-vous. C'est-à-dire que ça ne gêne pas votre organisation, vous pouvez aussi faire toutes vos choses, fermer et tout, enfin fermer ou ne pas être disponible, et être préservé, bien préservé, pour que la relation client soit la mieux possible pour pouvoir vendre plus de vin possible. Que ce soit par des intermédiaires ou en direct, quoi qu'il arrive, à un moment donné, ces gens ont besoin quelque part de connaître votre offre et du coup, vos disponibilités. Et c'est pourquoi on a créé cette solution qui s'appelle GDO, qui est un petit logiciel qui vous permet en fait de positionner sur votre site. Donc, il faut un site Internet, ça, c'est fondamental, parce que de toute façon, quand vous vendez du vin, il faut un site Internet, puisque c'est le premier relais entre votre bouteille et vous pour connaître vos vins. Et après, du coup, les clients vont pouvoir ainsi directement sur votre site et les partenaires aussi sur votre site, parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'un accès pro pour savoir qu'ils vous envoient les clients pour connaître vos dispos et votre offre. Ils vont pouvoir, du coup, le faire de façon beaucoup plus simple et vous allez pouvoir ainsi constituer des bases de données clients. Donc, si on change de slide… Voilà, donc je passe parce que je ne sais plus ce qui est traduit ici. Voilà, donc en fait, ce qui est important, c'est que vous devez savoir que 99% des consommateurs de vin sont sur Internet. Donc, 99% de vos clients, des gens qui consomment vos vins, sont sur Internet. Et donc, il est fondamental aujourd'hui de positionner finalement votre offre sur Internet pour leur donner envie de venir. Où est-ce que vous pouvez positionner votre offre ? Donc, le petit système, là, concret, c'est très facile, hein. Vous rentrez vos prestations, ça crée un petit lien, et ce lien se positionne comme ça en deux clics sur votre site Internet, qui est déjà la première clé d'entrée, hein, sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, réseaux sociaux, sur vos acteurs touristiques, peut-être, si vous travaillez aussi avec eux, ou surtout sur peut-être votre syndicat d'appellation, Georgian Wines, qui, à mon avis, à partir du moment où vous commencez à vous ouvrir là-dessus, doit porter le no-tourisme. Si le syndicat d'appellation Georgian Wines ne porte pas le no-tourisme, qui va porter le no-tourisme ? Je donne la réponse, on a pu faire un quiz. Eh bien, c'est Booking. C'est les Booking, c'est tous les acteurs touristiques du web qui vont vous piquer vos clients et vos marges. Donc, la première chose à faire avant même, enfin, première chose à faire en parallèle, hein, eh bien, c'est de travailler avec Georgian Wines pour que Georgian Wines puisse porter informatiquement votre offre no-touristique pour que du coup, ils se positionnent sur les bons mots-clés que les amateurs de vin vont taper sur Internet et du coup, ils vont pouvoir accéder directement à vous et venir vous voir en gardant bien tout leur argent. Pour autant, il y a des acteurs, il y a des gens qui ne vont pas forcément tomber sur le site de Georgian Wines, par exemple, sur un site collectif ou sur votre propre site. Donc, il est toujours intéressant de travailler avec des acteurs qui peuvent vous donner une autre visibilité. Mais attention, plus ces acteurs sont forts en référencement, plus ils vont vous piquer vos clients. Et donc, si jamais vous avez un domaine viticole avec votre nom, et si jamais ils tapent votre marque, eh ben, y a le risque qu'ils vous prennent votre marque et donc votre emplacement. Et du coup, vous allez devoir payer
pour que ces gens qui tapent votre marque arrivent chez vous. Ça, c'est le danger. C'est pour ça qu'il faut impérativement que les sites collectifs de la filière vin soient les plus forts possibles en référencement, de manière à ce que ça ne se produise pas. On peut passer ? Voilà. Donc, du coup, le principe, c'est quoi ? À partir du moment où les gens peuvent réserver, en fait, votre offre et la payer en ligne, bien sûr, hein, sur votre site. Je paye une visite dégustation, je paye un atelier, je paye une visite gourmande, je paye un restaurant, je paye un hébergement, n'importe, le système peut tout faire. Eh bien, ça veut dire que vous utilisez le système pour rentrer vos rendez-vous. Parce que si vous rentrez vos rendez-vous, eh bien, du coup, forcément, tout est juste en disponibilité. Et donc, le système sert à ça. C'est-à-dire que vous rentrez vos rendez-vous, comme un Google Agenda ou un cahier, et du coup, automatiquement, les stocks de places sont toujours justes sur l'extérieur de l'entreprise, donc votre site, vos réseaux sociaux, voilà tout ce que je viens de dire. Donc là, on peut changer de slide. Voilà. Ça, donc, comme je vous ai dit, il y a des intermédiaires, il y a des apporteurs d'affaires, ces acteurs, nos hôtels, tous les autres domaines viticoles à qui vous pouvez travailler, vont avoir besoin de vos disponibilités. Il y a un accès professionnel dédié pour ces acteurs professionnels pour pouvoir accéder à votre offre et inscrire leurs clients directement. Souvent, c'est les acteurs qui ont le client en face d'eux physiquement. Et ils vont pouvoir inscrire leurs clients. Pour vous rappeler, Stéphane ne l'a pas dit peut-être, je me souviens plus, entendu, le développement touristique aux États-Unis ne s'est fait uniquement qu'entre domaines viticoles. Pas besoin d'acteurs touristiques. Uniquement en domaine viticole. Pour bien conserver la marge, pour bien conserver les bases de données, c'est tout à fait possible. Vous pouvez changer de slide. Donc, l'outil permet de consulter tous vos modules de réservation. Vous allez pouvoir par semaine voir le nombre de gens qui cliquent. Par prestation, par module, donc on peut passer la slide après. Et bien sûr, il va pouvoir permettre de voir toutes vos réservations, donc qui est venu, comment, ils ont commandé quand, quel est le jour de visite, enfin toutes vos statistiques en fait, en gros, de venue des visiteurs. On peut passer. Là, on peut passer. Oui, donc, souvent, quand vous êtes un domaine viticole, évidemment, qui va vouloir venir vous voir en plus des particuliers ou des amateurs de vin, ça peut être des professionnels. Donc, l'outil peut permettre, évidemment, l'enregistrement des rendez-vous professionnels avec l'enregistrement des vins qui ont été dégustés pour ces professionnels, de manière à ce que vous ayez un historique aussi des venues des professionnels qui distribuent votre vin. Donc, ça peut gérer la partie pro, vous pouvez changer de slide. Ça peut gérer donc les particuliers, vous allez pouvoir enregistrer tous vos rendez-vous, ça gère les langues. La spécificité de l'œnotouriste, c'est quoi ? C'est que je viens, moi, amateur de vin, je viens dans un domaine viticole, mais il faut que je puisse choisir mon jour, mon heure et ma langue de visite. Vous n'allez pas mélanger sur une visite les Géorgiens et les Russes, ça, c'est pas possible. Ou les Anglais, les Américains et les Russes, ça, c'est pas possible. Deux langues ensemble, c'est impossible, c'est horrible pour celui qui attend. Donc, non, il ne faut jamais mélanger. Et du coup, donc le système va le permettre, tout ça. Visite groupée, privée, c'est-à-dire que par exemple, vous dire non, mais moi je veux qu'un seul groupe ensemble parce que je veux bien les capter. Ok, ça c'est des visites privées. Ou alors, non, je m'en fiche, ils peuvent venir à plusieurs de différents lieux, c'est pas grave, ils vont être ensemble, on va les grouper. Le système gère tout ça. Vous pouvez changer de slide. Oui, quand on fait le développement touristique, Stéphane l'a dit tout à l'heure, il y a effectivement des activités, puis il y a aussi de l'événementiel. L'événementiel, c'est que des entreprises veulent faire un séminaire, que vous organisez un concert, que vous permettez des mariages, des choses comme ça. Et donc, il faut une organisation particulière, enfin, il faut un traitement particulier par rapport à ça, sur la gestion d'options, des choses comme ça. Je passe, changement de slide. Voilà, donc vous allez, avec tout ce système, centraliser en fait, en gros, tous vos apporteurs d'affaires, tous vos rendez-vous dans le même endroit. Vous pouvez changer de slide. Et du coup, l'objectif de l'objectif, c'est la base de données. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas d'outils comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Les gens vont appeler. Bonjour, gna 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 gna. Donc, OK, ils viennent potentiellement. Ils viennent ou ils ne viennent pas d'ailleurs. Parce qu'en fait, je viens, je dis que je viens, puis je ne viens pas. Je n'ai pas payé pour venir, donc je ne viens pas forcément. Et surtout, vous êtes en fin de visite. OK, bon, alors, je peux avoir vos coordonnées. Enfin, ça prend du temps. Il y a plusieurs personnes. C'est pas génial en termes de relations clients, en termes d'expérience client. Donc, c'est intéressant de permettre, en tout cas aux clients, de réserver en ligne parce que vous allez avoir une base de données qui va être directement intégrée et vous allez même pouvoir après, pour ceux qui le désirent, pour les gros clients, peut-être les gros châteaux qui sont un peu plus marketing, qualifier les clients. OK, ce client, après la visite, c'est qui ? C'est quoi ? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner comme mailing pour ensuite lui proposer de vendre du vin ou n'importe, en fait, ou reproposer une autre prestation, n'importe. Changement de slide.
Il y a des clients qui vont venir sans rendez-vous ou il y a des clients qui n'ont pas réservé parce qu'ils sont venus en groupe, mais vous les trouvez intéressants. Donc, vous allez pouvoir ici, par un accès, leur donner, ils vont pouvoir rentrer leurs coordonnées direct dans la base de données de manière à ce que vous ne perdiez aucun client intéressé. Changement de slide. Évidemment, il est aussi intéressant de leur proposer aux clients des cadeaux. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, hein, parce qu'en fait, l'expérience client, quand il y a des ateliers, c'est très, très sympa. C'est une expérience vécue qu'aiment beaucoup les gens. Et donc, de pouvoir offrir des chèques cadeaux, des bons cadeaux, eh bien, c'est quelque chose qui est bien, en tout cas, qui plaît aux clients, aux consommateurs. Et donc là, le système permet les bons cadeaux. Changement de slide. Alors là, c'était des exemples de domaines viticoles, des marques avec lesquelles on travaille. Alors, bon, vous ne les connaissez pas forcément, mais c'est pour vous montrer avec lesquels on travaille un peu dans toute la France. Changement de slide. Et surtout, on travaille avec tout type d'organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille avec des tout petits châteaux. Enfin, tout petits dans le sens nombre de visiteurs, mais aussi souvent nombre d'hectares. Hein, c'est proportionnel souvent. Hein, ça fait moins vous avez de vin, moins vous avez d'hectares, ben, moins vous aurez de monde spontanément, plus vous êtes dépendant des autres. Pour autant, il peut y avoir des petits châteaux avec peu d'hectares qui ont beaucoup de no-tourisme parce qu'ils ont développé plein de prestations qui deviennent finalement un acteur touristique. Et dans ce sens-là, ils vont avoir plus de partenaires touristiques et peut-être ils vont pouvoir effectivement compenser cela. Tout type d'organisation dans le sens où on travaille avec des domaines viticoles qui sont beaucoup plus structurés, qui ont beaucoup plus de monde. Donc là, je dis 15 000, mais bon, il y en a qui ont 30 000, 40 000 hein, visiteurs. Et ces acteurs-là, vous voyez, Smith Lafitte, Stéphane Badet en a parlé tout à l'heure, ces acteurs-là, ils ont des organisations qui sont plus étoffées, avec 4, 5 guides, ils ont beaucoup plus de types d'activités, enfin bon, voilà, tout est beaucoup plus élargi et le système permet tout à fait de travailler avec ce type d'acteurs. Vous pouvez passer. Donc, l'outil voilà, permet de gérer des activités, mais aussi, vous pouvez passer la slide, mais ça permet aussi de vendre du vin. C'est-à-dire que vous pouvez positionner pareil en un clic, c'est très simple, un lien claque sur votre site et les gens vont pouvoir acheter votre vin directement sur votre site internet. Alors, je vous rassure, ils ne le feront jamais spontanément. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, ce n'est pas grave, ça ne marchera pas si vous ne faites rien. Parce que les gens ne vont pas acheter du vin comme ça, je ne connais pas ce domaine viticole, je vais lui acheter du vin. Non, ça ne marche pas. Il faut toujours qu'il y ait une action marketing qui va lui donner envie de le faire ou parce qu'il est déjà venu. Donc, l'outil le permet et donc, du coup, voilà. Changement de slide. Voilà. Et donc, on a développé aussi la partie hébergement. Donc, ça, ce n'était pas valable pour les hôtels. Hein. C'est valable pour les domaines viticoles qui ont une, deux, trois, quatre chambres et qui, hélas, ils ont cette contrainte d'être forcément diffusés sur les OTA qu'on appelle en français, donc en anglais, voilà, Booking, Expedia, Airbnb, voilà. Quand vous avez de l'hébergement, vous avez forcément cet accès avec ces acteurs-là. Mais bon, pour autant, c'est intéressant aussi parce que ça vous donne accès à des gens qui ne seraient absolument jamais venus chez vous. Donc, c'est un angle complémentaire qui est intéressant. Et on a développé, enfin, d'ici fin mars, on développe la partie restauration, qui est quelque chose de particulier parce qu'en fait, le restaurateur, il a un système de prise de rendez-vous qui est différent des activités. Et donc, comme ça, on aura vraiment balayé l'ensemble des possibilités d'un domaine viticole pour ce développement, pour recevoir des amateurs de vin. Changement de slide. Voilà, donc vous allez voir dans le système voilà, les chambres qui sont réservées comme un acteur classique hein, d'hébergement, mais c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de faire un logiciel très complet pour ça. Changement de slide. Voilà, donc l'outil vous voyez, permet en gros de gérer toute la partie réceptive qui est possible de faire en fait, dans un domaine ou de se restreindre voilà, sur juste une petite partie voilà, pour les acteurs qui veulent déjà juste... développer uniquement la partie peut-être activité ou déjà une visite dégustation. Changement de slide. Voilà. Donc, si vous voulez nous contacter et poser des questions, je suis à votre disposition. Parfait. Merci, Estelle. Il y aura peut-être déjà des questions. Donc là, n'hésitez pas à poser les questions à la fois dans le chat et dans le module questions-réponses. Cato, qui est connecté avec nous aussi, va s'occuper en lien avec Marie de les regrouper pour qu'on puisse les traduire en français pour les speakers et après que vous puissiez y répondre. Mais avant ça, on va faire un petit quiz aussi, Estelle. On t'a préparé quelques questions aussi. Oh. Merci. Du coup, vous avez le nouveau lien. Donc, vous cliquez sur le lien comme d'habitude. Maintenant, vous connaissez le principe. Nous, on va afficher la question à l'écran.
Voilà, donc qui est en anglais comme les autres. Donc, je vois qu'il y a déjà des réponses qui arrivent. Donc, c'est la question, tout simplement, c'est GDO est une solution qui permet quoi ? Première possibilité, d'avoir un bulletin météo. Deuxième possibilité, c'est un outil de gestion de l'offre non touristique. Troisième possibilité, c'est une application pour télécharger de la musique. Bon, c'est normalement, c'est assez facile et on le voit aux réponses. Hein, Oui, bah, j'espère, parce que sinon, ça veut dire que je parle très, très, très mal ou alors que Marie a très, très mal traduit. Soyez rassurés, Estelle et Marie. Je pense que visiblement, il n'y a pas trop de doutes, hein, effectivement. Après, remarque, tu pourrais peut-être aussi... faire le bulletin météo et le tu vois, on te donne des idées. Oui, c'est sûr, pour donner envie aux visiteurs de venir tel jour ou tel jour, mais là, il faut qu'on prévoie la météo et ça, je ne crois pas que ce soit encore très développé partout dans le monde. Tu manipules ta météo, il fait beau tous les jours chez nous. C'est ça, en fait, il faut faire ça. Ok, donc, je pense qu'on a une autre question. Ah, ok, on avait, d'accord. Bon, donc, visiblement, ce... Estelle, hein, sois rassurée, le message est bien passé. Les réponses ont été très bonnes. Alors, du coup, Cato, est-ce que tu es là? Peut-être, Anna, on va afficher, voir Cato. Donc, qui est dans le public, on va promouvoir panéliste pour nous faire remonter les questions. Bonjour, Cato, est-ce que tu m'entends? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Cato. Moi, sur la liste des panels, je pense. Oui, on ne te voit pas encore. Tu n'as pas la caméra. On t'entend bien, par contre. Oui. Ah, voilà. Attends, quand tu en fait. On n'a pas de questions pour ce moment-là. Il y avait juste que les gens n'ont pas bien compris si M. Stéphane a dit que la Géorgie n'est pas développée. Je n'ai pas dit ça. En voie de développement, vous avez dit, je pense. Je ne pense pas avoir dit ça. C'est ce qu'on a entendu. La Géorgie, de mémoire, la Géorgie est en classement en PIB 70e au niveau mondial, quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, candidat à l'Union européenne. D'accord. Ouais. Non, je pense qu'on n'a pas bien entendu. Je ne suis pas certain que ce soit le sujet principal, oui. En tout cas. Mais, par contre, le no-tourisme, à mon avis, présente un joli potentiel en Géorgie. C'est peut-être ça le sujet, par contre. Oui, moi, éventuellement, je peux en dire un mot. La Géorgie a une légitimité. Les vins de la Géorgie ont une légitimité. Donc, c'est sûr que... Enfin, nous, on est allé à Tbilissi, on a quand même trouvé ça magnifique et voilà. Enfin, donc effectivement, si les acteurs du vin commencent à se dire que ce serait intéressant de recevoir leurs consommateurs, je pense que là, effectivement, il y a un vrai sujet qui est tout à fait facile de développer dans la mesure où, comme Stéphane l'a dit, les avions facilitent cet accès avec des prix attractifs et beaucoup moins de freins. Mais voilà, enfin, après, ça va dépendre beaucoup de la distribution du vin. Et justement, ça dépend de beaucoup de choses. Oui. Pardon, si je puis compléter, parce que c'est quand même aussi le cœur du sujet, puisqu'on est avec des viticulteurs géorgiens. En effet, moi, j'ai eu la chance de beaucoup aller en Géorgie, et donc, comme je disais, j'y serai encore le mois prochain. Tbilissi est une capitale formidable, et d'ailleurs, j'avais publié un article là-dessus, où j'ai l'impression que c'est une ville où la vigne, le vin sont omniprésents, y compris par cette magnifique statue, cette grande statue qui domine la ville, qui tient d'un côté un glaive et de l'autre une coupe de vin dans sa main, pour les amis. Et connaissant la Géorgie et en particulier la Caréti, il y a un potentiel œnotouristique qui est considérable, véritablement. Moi, j'en suis parfaitement conscient. Maintenant, il faut le structurer, il faut l'organiser. Il y a aussi des freins, il y a aussi des faiblesses. Donc, voilà. Et c'est vrai que, par exemple, tout ce que l'on entend actuellement, en particulier dans les médias occidentaux autour des tensions géostratégiques, autour de la mer Noire, pour l'Ukraine, etc., sont évidemment des points faibles pour la destination Géorgie,
parce que quand on regarde les études, tous les visiteurs, tous les touristes cherchent une destination sûre, une destination dans laquelle ils pourront se faire plaisir sur une semaine, deux semaines. On a le même problème sur l'Ukraine, sur l'Arménie, sur la Moldavie, sur l'Azerbaïdjan, voire même sur la Turquie ou sur la Roumanie. Donc, et de plus en plus, le côté sécurité, safe, sécure de la destination pèse énormément dans les choix de destination. On l'a vu par exemple avec les attentats. On l'a vu avec les attentats en Égypte. On sait très bien que quand il y a un attentat en Tunisie, par exemple, c'est tout le tourisme qui plonge. Et même à Paris, les attentats de Paris ont eu des conséquences considérables sur l'activité touristique. Donc voilà, ça c'est quand même un élément qui pèse très fort. Pour autant, pour être positif, Stéphane. Oui, juste pour rebondir sur ce que tu dis. C'est-à-dire que pour autant, comme Stéphane l'a dit tout à l'heure, 60% des visiteurs à Bordeaux sont des Français. Donc, à partir du moment où la distribution des vins géorgiens se fait en Géorgie, je ne sais pas quelle est la part, mais on peut considérer que les Géorgiens peuvent tout à fait aussi venir dans les domaines viticoles géorgiens. Il faut que l'offre aussi leur plaise. Ouais. Donc ça, c'est tout à fait positif. Oui, mais par contre… Tout à fait d'accord, mais par contre, le marché de la Géorgie reste petit puisque c'est 2-3 millions de personnes, pas plus. Et ils peuvent venir par contre de Russie, d'Arménie ou d'Azerbaïdjan, mais là, on est sur un certain nombre de problèmes. Et voyez, juste avant, moi j'étais au téléphone à Géorgie avec Tiffany Lucas qui travaille là-bas pour la FAO. Moi, normalement, nous ne sommes pas encore certains de pouvoir y aller pour des raisons géostratégiques. Ouais. Voilà, on n'aura peut-être pas l'autorisation. Ouais. C'est la Alors, zone aussi, c'est la prasie. Eh oui, non mais, ah oui. Ah. Et ouais, mais et même, voilà, c'est pour un touriste qui veut se projeter, par exemple, sur ses vacances d'été ou sur ses vacances de Pâques, ces incertitudes compliquent évidemment la position. Donc, voilà, s'il veut une destination safe, c'est en plus en sortie de pandémie comme ça, après 2 ans, clairement, à court terme, il misera peut-être plus sur l'Espagne ou sur l'Italie ou sur le Portugal. Voilà, maintenant, quand on développe notre tourisme dans un pays, on s'inscrit, c'était aussi mon message via l'expérience bordelaise, on s'inscrit sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et sur un business model entrepreneurial également. Il ne faut pas attendre de rentabilité l'année prochaine. On s'inscrit sur 3, 4, 5, 6 ans. Et justement, moi, je voulais, Cato, comme tu nous as rejoint, j'en profite, pour, je ne sais plus si je l'ai dit, parce que Cato est notre partenaire donc, sur ce projet, travaille à la National Wine Agency of Georgia. Vous, Cato, au niveau de la National Wine Agency of Georgia, est-ce que vous avez déjà une mission sur le développement de l'œnotourisme? Est-ce que vous accompagnez les acteurs? Est-ce que ça fait partie de vos missions, tout simplement, de le développer? Cato, tu m'as entendu? Როგორც უნივერსალური სააგენტო, ხო, უბრალოდ ხმას ცვლიდი ინგლისურ და ფრანგულზე გადავდიოდი და კითხვა წესერად ვერ გავიგე. Tu es sur le canal français, on t'a entendu. Ah, je ne sais pas. Je lui reposerai la question après. Je pense qu'elles sont en train de voir les Cato. Est-ce que tu peux basculer sur le canal? Tu es là? Oui, je suis revenue sur le français. D'accord. Tu étais en train de faire un point avec Marie. Oui, avec... Les questions, parce qu'il y a 2 questions, c'est ça qui sont. Oui, arrivées. Oui, il y en a d'autres aussi. Ok. Juste avant, je voulais te poser une question. Si justement, vous, au niveau de la National Wine Agency, est-ce que ça fait partie de vos missions de développer le no-tourisme, d'accompagner les viticulteurs là-dessus, sur cette démarche? Est-ce que vous y pensez? En fait, la partie touristique, c'est sur l'agence de tourisme de Géorgie. Mais nous, avec nos démarches en marketing, en fait, nous, on planifie les visites de nos contracteurs qui sont partout dans le monde, en UK, en Chine, il y en a de l'US aussi qui vient. Et eux aussi, ils sont intéressés de visiter, faire le tour, en fait. Et pour cette année, moi, personnellement, avec mes contracteurs, j'aurai 4 tours. Dans les wineries de Géorgie. Et donc, du coup, notre partie là, ça fait comme ça, en fait, de l'agence nationale de vin de Géorgie. Okay. Mais surtout la partie touristique, c'est souvent sur l'agence de tourisme ou même les vignerons, ils le font eux-mêmes, en fait, ouais. Avec Booking ou Airbnb ou tous les autres
Ok. Oui, mais c'est là où il y a un enjeu. C'est qu'en fait, OK, sur les hébergements, c'est obligé de passer par Booking. Mais sur les activités, justement, il faut éviter que ça passe par Booking pour que, du coup, le consommateur, enfin, que le domaine viticole ait toute la marge de la vente de son produit. Pour ça, l'agence touristique de la Géorgie ne le fera jamais. Pourquoi ? Parce que l'agence touristique de la Géorgie, elle traite le tourisme dans sa globalité. Oui. Et donc, or, un amateur de vin, quand il tape des mots-clés, il va taper « visite, domaine viticole, Géorgie ou Tbilissi », enfin n'importe, voilà. Et là, ça passe par du référencement naturel de mots-clés géorgiens dans les mots qu'utilisent amateurs de vin géorgiens. Et ça, il n'y a qu'un acteur collectif de la filière vin qui peut le faire. Donc, je me permets de... Du coup, Estelle, j'en profite parce qu'il y avait des questions en anglais dans le chat pour toi par rapport à la tarification pour GDO. Si tu peux nous donner une idée du tarif, comment ça marche et aussi comment ça marche pour avoir accès à l'outil. Parce qu'il y a quelqu'un qui parlait en termes de membres, mais je crois que ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une histoire qu'il faut être membre, donc tu vas nous éclaircir ce point et demander si tu travaillais déjà avec des entreprises géorgiennes ou si c'était un projet en cours de concrétisation peut-être par rapport à notre projet de coopération. Oui, alors en fait, GDO peut être utilisé dans différentes langues. En fait, là, actuellement, nous ne travaillons qu'avec des Français, mais l'outil est fabriqué pour qu'il puisse être utilisé en anglais ou même en géorgien. Il suffit juste qu'on traduise à l'intérieur les mots, en fait. Donc, aujourd'hui, on ne travaille aucun acteur géorgien encore pour l'instant. On a eu des contacts quand on est venu, là, quand je suis venue en octobre, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de retour des domaines viticoles géorgiens, à mon avis, pour une raison, mais peut-être que je me trompe, parce que ces acteurs n'ont pas encore de prestations sur rendez-vous. En fait, en Géorgie, dans ce que j'ai vu quand je suis venue, il y a des hôtels qui sont construits, qui dépendent du coup de la filière totalement touristique, là pour le coup. Il y a des restaurants qui, du coup, accueillent soit les visiteurs de l'hôtel, soit peut-être les amateurs ou des visiteurs locaux. Mais il y a très peu, en tout cas, je n'en ai pas vu, de prestations sur rendez-vous. Donc, du coup, je pense qu'il y a d'abord ce travail à faire de création de prestations. OK, qu'est-ce que je peux proposer aux consommateurs sur rendez-vous et du coup, pour pouvoir les vendre après. Il y a d'abord ce travail-là. Donc, peut-être c'est pour cette raison que nous n'avons pas encore de contact vraiment sérieux. Peut-être un petit peu tôt, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut tout à fait travailler dès demain avec des acteurs géorgiens. Ce n'est pas un problème, ça dépend de leur offre. Et du coup, comme tu disais, par rapport aux tarifs, tu travailles avec des tailles de structures tellement différentes, j'imagine. Oui, alors les tarifs sont en fonction des fonctionnalités, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes un petit domaine et vous avez juste besoin d'un module de vente sur votre site, juste de rentrer les rendez-vous et la base de données, juste ça, ça, c'est un premier niveau de prix qui est donc un forfait. En fait, c'est comme un logiciel de gestion commerciale. Les logiciels de gestion commerciale sont les logiciels qui permettent de facturer les ventes. Eh bien, nous, c'est le même principe, en fait. On loue le logiciel, il est en ligne, donc il est tout le temps utilisable. Alors, il faut un réseau Internet, évidemment. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, il est tout le temps mis à jour, il est tout le temps en sécurité. Ça ne dépend pas de la sécurité du domaine, ça dépend de la sécurité, c'est nous qui le prenons en charge, ça, du coup. Et ça sécurise, du coup, voilà, il faut Internet, ça sécurise l'utilisation. Donc, le prix, ça va de 50 euros par mois à, ça dépend, on a des domaines qui ont facture 400 euros par mois parce qu'ils ont toutes les fonctionnalités possibles, techniques, voilà, parce que c'est des gros domaines. Donc, c'est très variable, en fait, c'est très variable. Oui, bien sûr, ok. Donc, on va peut-être maintenant revenir. Alors, il y a une question aussi. Je pense qu'on a quand même en partie la réponse, mais Estelle, je te redemande. Les personnes veulent avoir accès au PowerPoint, la version géorgienne de vos PowerPoint. Bien sûr. Si vous êtes d'accord, on va mettre un lien. Sûr. Du coup, à la fin de ce webinaire, on mettra un lien dans le chat, un WeTransfer. Comme ça, chacun pourra télécharger les deux présentations en version géorgienne. Anna a été hyper active comme d'hab, vous avez déjà le lien. Oui, et en ce qui me concerne, évidemment, c'est la version XXL, puisqu'il y a toute une partie en suivant qui concerne un certain nombre de conseils globaux de développement et de facteurs clés du succès ou de choses que l'on peut éviter quand on fait un développement. Ouais. Voilà.
Après, donc, il y avait deux questions en géorgien, il me semble. Enfin, Kato, tu, Marie, vous nous dites. Et il y en avait une autre question aussi en anglais pour Stéphane. Quand vous avez dit que vous avez déjà visité la Géorgie, quels sont les problèmes que vous avez vous avez vus dans les régions du vin concernant l'énotourisme, par exemple à Kakheti région? Alors, des problèmes extrêmement simples et extrêmement concrets. Moi, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois et de louer une voiture, par exemple, et d'essayer de faire de l'énotourisme tout seul, en test, puisque j'y suis allé aussi pour l'ambassade d'Allemagne, pour faire une conférence là-bas sur ce thème-là aussi, sur lequel il y avait également l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Par exemple, l'état des routes, par exemple, trouver un restaurant, par exemple, les panneaux de signalisation ou le positionnement GPS, des choses comme ça, vous voyez, qui sont très concrètes et qui sont des facteurs bloquants. Alors, je le disais tout à l'heure dans les facteurs clés du succès, c'est évidemment pas aux viticulteurs de refaire la route. C'est pour ça que c'est un projet collectif également, c'est-à-dire que c'est quand on est dans la ville de Tel Aviv, qui est une ville très jolie, il y a par exemple la winery Tsinandali qui se visite et qui est un attrait touristique, mais après on a beaucoup de mal à aller vers les autres wineries. On a beaucoup de mal parce que déjà on ne les connaît pas, elles ne sont pas forcément, comme le disait Estelle, bien connues, bien référencées sur Internet. Et puis après, moi je ne vous cache pas que même moi en tant que professionnel, j'ai eu du mal à trouver certaines exploitations viticoles. Voilà, à les trouver, ne serait-ce que parce qu'il n'y avait même pas de panneaux de signalisation sur la route, des petites choses comme ça. Et en s'éloignant encore un petit peu plus, quand je suis parti vers l'ouest, vers la mer Noire, là, c'est un petit peu le hasard qui fait qu'on tombe sur une exploitation viticole. Alors, pour des Géorgiens, pour des locaux, ce n'est pas un problème. Mais pour des touristes qui ont un certain pouvoir d'achat, qui, comme disait Estelle, ont la curiosité du vin géorgien, parce que, en effet, la Géorgie a toute légitimité. À mon avis, la Géorgie a tous les atouts en main pour développer l'onotourisme. Tout à fait. Voilà, les paysages, l'histoire, enfin, voilà. Mais il manque quelques petites choses, si vous voulez. Et ces petites choses, c'est aussi ce côté pratique. Vous voyez, un consommateur occidental ou asiatique qui a les moyens, comme le disait Estelle, qui passe par son outil ou qui passe par Booking, etc. Ensuite, quelque part, il attend sur place aussi un certain nombre de facilités. C'est ce que disent les Américains. Ces facilités, c'est ce que je disais il y a quelques instants, c'est-à-dire voilà, le bornage GPS, le petit restaurant à côté, si ce n'est pas sur l'exploitation ou si c'est dans l'exploitation, c'est très bien. Les panneaux de signalisation, des indications faciles, c'est vraiment des petites choses toutes bêtes, toutes simples, et sur lesquelles aussi on bloque en Bordeaux et pas celles que je cherchais, hein, ou en Argentine ou ailleurs. Mais ça, c'est vraiment quand vous êtes touriste, visiteur, même intéressé par le vin, c'est quand même des choses qui, à mon avis, sont importantes pour le développement. Voilà. En cela, c'est peut-être, je reviens à la question initiale, en cela, je pense en effet que la Géorgie a toute légitimité et a un potentiel juste considérable en termes de paysage, en termes d'exploitation viticole, des vins incroyables, avec une tête de pont qui s'appelle Bilici. Mais ensuite, je pense qu'il faut travailler ensemble et que ça soit une prise de conscience collective que, ben, par exemple, la route qui va de Tel Aviv à Gourjani, ben, si elle n'est pas goudronnée, s'il y a des trous partout, s'il n'y a pas de panneau de signalisation, même s'il y a de très belles wineries, ben, ça sera un petit peu la galère pour un Européen, un Américain ou un Asiatique qui, rapidement, malheureusement, pourrait faire la comparaison avec la Napa Valley ou quelque chose comme ça. Aller en Napa Valley, c'est welcome in Disneyland, quoi. Voilà, tout est super bien fléché, le vin est partout. Et ça, malheureusement, peut-être que les consommateurs sont mal habitués, les touristes sont mal habitués. Mais clairement, pour développer le tourisme, on sait que ce sont des obstacles, voilà, qui font que éventuellement une destination peut ne pas se développer pour ces raisons-là. Voilà. Ouais. Et vous pouvez avoir la meilleure winery du monde si elle, voilà, c'est comme puisque on a parlé marketing avec Estelle, vous pouvez avoir le meilleur vin du monde si vous le faites pas savoir, si vous n'avez pas la promotion, si vous n'avez pas la communication, ben, vous vendrez pas votre vin. Et ben le no-tourisme c'est pareil. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde si vous le faites pas savoir,
S'il n'y a pas la promotion, s'il n'y a pas la communication, s'il n'y a pas toutes ces facilités, ben ça ne marchera pas. Et moi, je le vois avec un de mes étudiants ingénieurs. Là, j'ai deux étudiants ingénieurs qui travaillent sur des projets non touristiques. Ben, le projet non touristique, il existe, mais il ne marche pas. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a zéro promotion, zéro communication. Donc, voilà, c'est ces petites choses qui sont les facteurs clés du succès de l'œnotourisme. Après, si je peux me permettre, j'ai moins la... Par exemple, pour, y a des pays qui se prêtent aussi, ben, selon les routes, la géographie, qui se prêtent moins facilement à ce qu'on y aille en autonomie tout seul qu'on ne connaît pas. C'est moins évident. Donc, peut-être qu'il faut peut-être réfléchir à prendre en charge les gens de manière collective, qu'il y ait des petits vannes. Même à Bordeaux, on a des exemples de tours des vignobles qui sont faits avec des deux chevaux. Il y a des entreprises qui ont des jolis deux chevaux de couleur. On les a vus sur une de tes slides. Et ils prennent vraiment en charge les gens aussi sur, comme, sur la route pour les capter, les amener. Quoi. Donc, pourquoi oui, pas, mais le problème, Hélène, c'est que si vous commencez à faire ça, le visiteur, il donne tout l'argent à ceux qui font ça. Oui, voilà. Après, il faut effectivement… Donc, ce n'est pas l'intérêt des domaines viticoles. C'est les domaines viticoles qui sont derrière pour essayer de développer ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce type de développement. Tous les bus, quand il y a des bus de 50 personnes qui partent des offices touristes, qui font des circuits, eh bien, à aucun moment, il y a un temps pour la vente de vin. Il n'y a aucun moment, les bases de données sont données au domaine viticole. Et donc, le client, OK, le domaine viticole va vendre 10 euros la visite, OK, mais je veux dire, derrière, il ne récupère rien. À moins que ce soit les domaines viticoles qui s'organisent eux-mêmes pour mettre en place ce transport. Ah, c'est différent. Dans ce cas-là, ouais. Effectivement, et dans ce cas-là, encore une fois, on revient sur Georgian Wines qui, effectivement, peut-être pourrait, dans ce cas-là, oui, effectivement. Oui, parce absolument. Que c'est sûr, je suis d'accord avec ce que tu disais. Il faut que ça reste, il faut qu'ils puissent capter. Eh bien oui, ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Estelle. Après, en effet, ça peut être une organisation collective, c'est-à-dire, par exemple, un ensemble de viticulteurs qui sont sur la même zone, qui s'organisent justement pour mutualiser là, cet effort. Voilà, là, c'est une démarche collective aussi. Où, voilà, il y a plein de formules que l'on peut trouver, en effet. Et en effet, y a cette formule-là. Mais ou alors, on peut se dire aussi, y a des consommateurs, des visiteurs qui cherchent un petit peu ce côté aventure, mais ça restera une niche de marché, ce côté un petit peu paumé, quoi. Justement, pas tomber sur l'autoroute touristique comme j'ai montré Saint-Émilion ou Napa-Vallée et dire bon ben oui on sait que c'est encore un petit peu l'aventure d'aller faire de l'œnotourisme en Géorgie, yes j'y vais quoi. Il y a aussi ce type de public, mais ça restera quand même quelque chose d'assez marginal quoi, comme il y a des gens qui vont visiter Tchernobyl ou qui font du tourisme de la guerre quoi. Bon, on n'en est pas là évidemment en Géorgie, mais il y en a aussi qui cherchent un petit peu. Mais non, mais ce que je pense c'est quand même, c'est l'expérience vécue dans le domaine, c'est ça qui doit être vraiment, voilà. Nous, on monte des formations, on intervient dans les vignobles hein, pour les former à quelles prestations mettre en place, comment, enfin voilà, pour que ce soit parfait. C'est ça qui compte en fait. Hein, vraiment, c'est que l'expérience de votre domaine viticole, elle corresponde à votre histoire à vous et à votre gamme de vins. Ça, c'est ça qui est l'essentiel. Si effectivement, mais je suis d'accord avec Stéphane, je comprends ce que dit Stéphane, il a raison de parler comme ça. Mais bon, c'est vrai que nous, quand on est en Géorgie, parfois, on a eu des routes un peu, voilà, des trous. Mais pour autant, quand on est arrivé sur place et l'accueil était extraordinaire et c'était vraiment, c'était super. Et du coup, on oublie, quoi. On est là, c'est chouette et tout, voilà. Ouais, mais nous, on est des professionnels et puis on adore ça. Mais tu te mets à la place d'un consommateur asiatique ou américain qui a payé très cher déjà le fait de venir en Géorgie. Il a adoré Tbilissi parce que Tbilissi, à mon avis, c'est vraiment la tête de pont, c'est le porte-avions de l'œnotourisme dans toute la zone. Hein, parce qu'il n'y a pas ça non plus en Arménie ou en Azerbaïdjan ou dans le sud de la Russie. Vraiment, pour moi, c'est vraiment une capitale mondiale du vin. Il y a tout. Le vin, la vigne dans Tbilissi. Après, quand on sort, ben, y a ce petit côté aventure. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, avec Estelle. Après, quand on est chez le viticulteur, c'est génial. Mais voilà, des fois, il faut y arriver. Non, mais quoi. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Non, mais il faut quand même qu'ils puissent déjeuner, dîner. Donc, je te rejoins sur le fait qu'il faut qu'il y ait des restaurations. La restauration, des choses comme ça, ça c'est sûr, de l'hébergement. Ah bah... Ça, l'hébergement, il y en a déjà, parce qu'il y a plein d'hôtels déjà. Surtout le Supra en Géorgie, c'est quand même incroyable. Absolument.
Alors, mais Cato, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Attendez, vu que je vois que le temps avance, je... Si vous voulez, je peux lire ce qui est en anglais. Après, je reviens vers Marianne pour lire en géorgien et elle va traduire. Oui, ok. Ok. En fait, en anglais, c'était que quelles sont les demandes et encore une fois le prix pour être le membre de GDO. Ah, ça y est. Et s'il y a encore, s'il y a déjà les entreprises géorgiennes qui sont sur la plateforme. Oui, ça tu as répondu. Oui, j'ai dit que ça pour l'instant, voilà. Oui, c'était le prix. Mais peut-être que moi, je n'ai pas une vision globale et que peut-être certains domaines viticoles qui sont en ligne ont déjà des prestations. Je ne sais pas, en fait. Hein, donc. Donc, effectivement, pour l'instant, on n'a pas encore commencé à travailler avec la Géorgie. Après, oui, vas-y, Cato, du coup. Pour... Oui, je reviens vers Mariam. Okay. D'accord. Okay. Ekhla gadmavertet kventan. Ori kartuli kitkva, gwaqes e gori kartuli tsares, danachi inglisurat ukve gaviaret. Ese igi Stepan maxsel. Je crois que c'est un peu plus de temps. Voilà, Stéphane, vous avez signalé que l'État a dégagé, a mobilisé environ 80 millions. Écoutez, ce n'est pas sur le français que Cato a parlé. Non, Cato a parlé en géorgienne. On a lu la question en géorgienne. Maintenant, je passe sur le français. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, Marie. C'est bon? Voilà, Stéphane, vous avez dit que l'État a mobilisé environ 80 millions d'euros pour le développement de la ville de Bordeaux. Est-ce que c'était... je ne sais pas si Stéphane m'entend. On dirait que c'est déconnecté pour l'instant. Ouais. Parce que, je ne sais pas. Ah, si, il est de retour. Stéphane, c'est bon, tu nous reçois. Stéphane, vous nous entendez? C'est bon. Allez-y, d'accord. Allez. Est-ce qu'il était difficile, par exemple, d'intéresser l'État et, par exemple, de le persuader de dégager autant d'argent pour le développement d'une seule région? Est-ce que c'était un processus difficile? Non, je suis là. Vous ne m'entendez pas? Moi non plus, je n'entends pas Marie. Hélène, vous m'entendez? Oui, moi, je vous entends. Attendez. Ah, mais vous m'entendez maintenant, Estelle, Stéphane? Il faut que vous mettiez sur le canal français. Il faut que vous soyez sur le canal français. Il y a le petit globe. Ah oui, pardon. D'accord. En bas, ouais. Ça y est, je suis sur le français. OK. D'accord. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, merci. D'accord. Stéphane, vous avez signalé que l'État français a dégagé environ 4... Vous en aviez en bas. Attends, Stéphane, il faut que... Oui, il faut mettre français. L'option français dans la traduction en bas. Tu m'entends? Je n'ai pas la traduction, je n'ai pas le petit globe qui apparaît sur mon écran. Ah bon? Moi, je l'ai. Tu dois l'avoir normalement, parce que... Alors, moi, j'ai partagé nombre de participants, le chat, la discussion. Après, c'est peut-être que parce que je suis sur mon téléphone portable. Hein. Ah, tu n'as pas enregistré et le globe? Oui, normalement, tu as le globe en bas. Oui, à côté d'enregistrer. Tu glisses, Stéphane. Comment? Non, je n'ai pas. Si tu glisses en bas ou tu vois les autres options, normalement, tu dois avoir un petit globe. Et tu choisis le français. Oui, mais dans les options, je n'ai pas... j'ai le micro, la vidéo, partager. Tu n'as pas trois petits points? Tu n'as pas trois petits points que tu peux cliquer et là, tu vas savoir apparaître. Oui, ouais. Mais je n'ai pas... On va rester sur le canal anglais. Que je passe... On va rester je passe sur le canal anglais. Oui, attendez. Restez je fais un essai. Non, sur le canal français. Anglais. Sur le français, vas-y, sur le français. Ouais. Stéphane, est-ce que tu nous entends? Et là, vous m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. C'est bon. C'est bon, Marie. Parfait, ça y est. On est sur le français. On est toutes sur la même ligne. Alors, Marie? C'est Marie qu'on a perdu maintenant. Oh, Marie. Les aléas du direct. Marie, il faudrait...
Je suis là, Hélène. Je suis sur... C'est bon? Oui, parfait. Stéphane, c'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon pour lui. D'accord. Oui, t'entends. D'accord. Voilà, vous avez signalé que l'État français a mobilisé environ 80 millions d'euros pour participer au projet de rénovation et de reconstruction de la ville de Bordeaux. Est-ce que c'était un processus difficile et est-ce que c'était difficile de convaincre l'État français de mobiliser autant d'argent pour le développement d'une seule région? Alors, c'est une vaste question politique, ouais. Parce qu'en plus, il y a eu aussi les subventions européennes, en particulier sur les quais pour la place de la Bourse, et il y a eu aussi des subventions privées. Ça a été un modèle assez multiple, mais à partir du moment où vous avez un maire qui est ancien Premier ministre, il avait une cellule à la mairie de Bordeaux de quatre personnes à temps complet qui ne travaillaient que pour monter les dossiers de demande d'aide et de subvention. Donc, une vraie équipe de chasseurs de primes pour aller chercher des fonds européens, des fonds nationaux sur différentes enveloppes, par exemple pour le tramway, pour l'aéroport, pour les quais, etc. Y compris des fonds sur le développement de zones en difficulté. Ce qu'on appelle les fonds FEDER au niveau européen. Et en fait, la cellule a fait valoir que ce qui était fait dans le centre de Bordeaux allait aider en fait le développement des zones en difficulté autour de Bordeaux. Et en effet, c'était bien vu, ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà. Après des projets comme ça, parce que les travaux. Oui ? Je ne sais pas, il y a un problème ? Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est parce que ça coupe un peu. Sinon, tu peux couper ta caméra. Je vous entends. Tu peux couper ta caméra pour qu'on entende mieux. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est vrai qu'on ne t'entendait pas du tout bien là. Ouais. Là, c'est mieux maintenant. Je peux. Ah, ouais. C'est mieux. Il n'y a plus de caméra, c'est mieux. C'est mieux là ? Oui. OK. Pas grave. Oui. Quand tu as parlé des fonds FEDER, etc., quand tu as commencé à énumérer les différents types d'aides, on t'a perdu là-dessus. Je pense que tu peux revenir un peu sur ce point. Oui. Oui, ce que je disais simplement, c'est qu'en effet, cette cellule a été capable de mobiliser sur des arguments au départ qui étaient... voilà, peut-être un petit peu iconoclaste, c'était de dire investir dans le centre de Bordeaux va contribuer au développement de zones rurales en difficulté qui sont à 50 km de Bordeaux. Et en fait, ce pari a été fait et en effet, c'est en quelque sorte une sorte de technique de ruine. Le centre de Bordeaux a permis en fait de développer le tourisme également autour de Bordeaux et les activités économiques comme le no-tourisme. Donc en effet, des fonds publics ont été investis pour le développement de l'entrepreneuriat privé dans le tourisme, dans le no-tourisme, dans d'autres formes de tourisme également, dans les campings par exemple, dans des tourismes nature, dans des tourismes balnéaires, des choses comme ça, pour rendre Bordeaux attractive au niveau touristique, mais pas seulement sur un produit, le vin, mais comme disent les Américains, transformer Bordeaux en une full destination. Une destination sur laquelle il y aura tout pour la famille. Pour les enfants, on a quelque chose. Pour les adolescents, il y a quelque chose, et ainsi de suite. Et on va se faire plaisir à Bordeaux et on va y rester plus longtemps et dépenser plus d'argent. Vous m'avez entendu ? Oui. Oui. Parfait. C'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Marie, ou est-ce qu'on est bon ? Parce qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes, 9 minutes. Oui. Voilà. La question, c'est justement comment intéresser les touristes, par quels critères on peut choisir, sélectionner les touristes, comment on peut intéresser les touristes, parce qu'en Géorgie, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de touristes qui arrivent, mais qui n'ont aucune tradition viticole et qui ne consomment pas de vin. Donc, comment est-ce qu'on peut intéresser ces types de personnes, ces types de touristes?
Alors, qui veut commencer à répondre, Estelle? Alors, moi, Comme tu veux. Non, mais je commence très rapidement, si tu veux, très rapidement. Allez, parce que j'avais rapidement étudié le tourisme en Géorgie. Vas-y. En effet, l'idée des services publics était de sortir du tourisme, entre guillemets, je vais faire court, un « Sisek Sensen » des Russes qui viennent s'encanailler en Géorgie et d'essayer de leur proposer autre chose. Et c'est en cela que le no-tourisme trouve toute sa légitimité, toute sa validité en Géorgie. C'est vrai que le pourtour de la mer Noire, en effet, est très festif. Et même quand on est à Tbilissi, il y a le casino et on voit bien qu'il y en a certains qui viennent pour faire la fête. Et c'était le cas de l'Espagne ou du sud de l'Italie de notre côté de l'Europe. Et clairement, je pense que la Géorgie a compris, puisque moi, je suis intervenu plusieurs fois là-bas sur ce thème-là, qu'il faut développer désormais une autre forme de tourisme, et en particulier dans les zones rurales. Et là, vraiment, le vin et la vigne et les wineries trouvent toute leur légitimité. Voilà, je te laisse la parole, Estelle. Oui. Ben pour moi, le plus simple et le moins coûteux, c'est de passer par la restauration. C'est-à-dire qu'en fait, le touriste, il doit manger. Donc, il y en a qui vont effectivement peut-être aller au supermarché pour s'acheter de la nourriture et manger dans son appartement, peut-être. Donc, mais il peut aussi passer par là, acheter du vin et le consommer peut-être ou pas dans son appartement, j'en sais rien. Donc là, il faudrait utiliser votre bouteille, soit par des capsules, à mettre, à clipper en disant ben, « Eunotourisme, venez nous voir », soit par la contrée, comme je l'ai dit, mais quelque chose qui soit assez visible, soit passer par la restauration. Donc là, la restauration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment du repas, il faut faire des partenariats avec les restaurateurs pour que soit peut-être un verre de vin soit compris ou offert au moment de la restauration. Et du coup, avec les supports numériques qu'il y a maintenant, comme je ne sais pas si en Géorgie c'est ça, mais en France, avec le Covid, il y a beaucoup de cartes de restaurants qui sont maintenant sur les sites des restaurateurs. Du coup, bah, vous arrivez au restaurant, la carte, elle est directe sur le… Voilà, on vous dit avec le QR code, va sur la carte. Là, voilà. Donc déjà, là, il pourrait y avoir une image, une communication qui pourrait pousser le consommateur à prendre du vin. C'est là où il faut intéresser le restaurateur, évidemment, parce que dans ce cas-là, lui, s'il gagne plus d'argent, un peu plus d'argent, il va le faire. Donc là, vous allez pouvoir capter ces consommateurs, leur parler. Je déjeune, je dîne, ah tiens, on m'offre un verre de vin, ou ah tiens, un verre de vin est compris dans mon plat, par exemple. Et là, eh bien, il faut qu'il y ait un support visuel, alors, soit numérique, soit papier, qui va du coup donner envie de proposer des activités pour que les clients viennent vous voir, en fait. Mais il faut qu'il y ait des expériences proposées au vignoble. Mais je pense que c'est tout à fait possible de passer par la restauration, en tout cas ce moment-là, pour capter et faire venir chez vous. Moi, j'adore l'idée d'Estelle. La bouteille est un vecteur de communication. Pour nous, en marketing, on dit que c'est le messager silencieux ou le vendeur silencieux. Si un consommateur, un touriste, trouve une bouteille, que le vin lui plaît et que sur la contre-étiquette, il trouve un QR code ou un site internet, il aura probablement la curiosité d'aller sur votre site internet. C'est sûr. Et si sur votre site internet, eh bien, vous avez toutes les prestations touristiques qui sont proposées, des images un petit peu sympas, un petit peu chouettes. Le vin est devenu quelque part un vecteur de promotion de votre prestation touristique. C'est exactement ça. Et vous aurez vendu du vin. Ouais, voilà. Et je pense qu'il faut jouer cette complétude en quelque sorte de la communication. Le produit devient aussi un objet de communication. Oui, Stéphane, on te repère un petit peu. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il va falloir, on peut peut-être en prendre une dernière, je ne sais pas, Cato, c'est bon? Parce que là, on s'achemine vers la fin. D'accord. Donc, bien, je pense qu'on peut… C'est parfait, on est ponctuel. Donc, c'est la fin de ce webinaire très intéressant. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Estelle. Merci à tous. Marie pour la traduction. Merci. Anna à la technique. Cato aussi, merci pour d'avoir animé cette partie questions-réponses. C'est fini pour l'instant, mais ce n'est pas fini pour aujourd'hui parce qu'après, on vous retrouve avec Estelle. Dans une heure, Estelle, on se retrouve pour parler de Ladies Wine. Donc, vas-y, je te laisse faire un petit teasing. Oui, avec plaisir. Vas-y. Avec plaisir. En fait, comment dirais-je? J'attaque comment? En fait, parfois la femme peut manquer de crédibilité. Pour plein dans différentes manières, mais dans la filière vin particulièrement, parce qu'il y a des croyances, parce que voilà. Et donc, du coup, on a décidé de créer un réseau de femmes dans la filière vin pour les aider, pour nous aider à travailler ensemble, pour nous aider à être plus crédibles et pour nous aider à s'entraider professionnellement et à créer du réseau.
là-dessus, les hommes, effectivement, sont comment dirais-je, plus avant-gardistes que nous. Enfin, ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils le font, hein, donc depuis la préhistoire, ouais, hein, quand ils chassent en troupeau. Et nous, pas du tout, on ne faisait pas ça, et ce n'est pas notre nature de faire ça, mais en revanche, ça va devoir le devenir, parce que plus vous travaillez et plus vous montez en compétences, bah, plus il y a des freins, et bah, plus on est solidaires et ensemble, et plus ce sera facile. Je rejoins le côté que Stéphane a évoqué tout à l'heure, de la collectivité, le fait d'être ensemble crée d'abord du lien, crée de la sécurité, de la bienveillance, et on se sent du coup plus légitime. Voilà. Okay. Bon, bah, du coup, on en reparle plus en détail tout à l'heure, dans une heure. Ceux qui étaient déjà inscrits, vous venez de recevoir le lien de connexion par email. On vous a aussi mis le lien de connexion dans le chat, donc pour un accès direct. Pour ceux qui n'étaient pas inscrits mais qui voudraient nous rejoindre, c'est encore tout à fait possible. On va donc discuter avec Estelle. Vous pourrez lui poser des questions sur comment ça marche, quelles actions menées par les Ladies Wine, etc. Ce sera en anglais. Il n'y aura pas de traduction en géorgien cette fois-ci. Mais bon, pas de problème. Ne soyez pas... n'ayez pas de scrupules par rapport à votre niveau d'anglais. Nous aussi, on fait ce qu'on peut. Oui, moi aussi, hein, d'ailleurs. Voilà. J'espère que vous serez indulgents. Voilà, soyez indulgents avec nous aussi. Ce n'est pas non plus notre langue maternelle, hein, à Estelle et moi. Donc, on fera ce qu'on peut, mais on pourra se comprendre. Et donc, le but, c'est, on se retrouve entre nous une petite heure, on échange, prenez les infos. Et puis, peut-être que ce sera le début du futur Ladies Wine en Géorgie. Voilà, super. Voilà. Donc, ça, c'est pour tout à l'heure. On se retrouve donc en heure géorgienne, c'est de 17h à 18h. Donc, pour nous, c'est 14-15h, Estelle. Ça marche. Et donc, ensuite, la semaine n'est pas encore finie, puisque donc, vous avez rendez-vous avec Ladies Wine cet après-midi et demain matin. Donc, Anna, si tu peux remettre le programme. Yes. Donc, demain, vendredi. On se retrouve donc en heure géorgienne, hein, là, Estelle, sois pas perturbée. Oui, pardon. 14h pour une visite virtuelle du château La Rosperrière et de la tonnellerie Sylvain. Donc là, on aura le winemaker de La Rosperrière qui pourra nous parler de la vinification au château, des vins recherchés, etc. Donc ce sera encore un échange, vous pourrez poser des questions. La tonnellerie, parce que le château est lié à la tonnellerie, hein, ils vous expliqueront ça demain, mais donc vous verrez la fabrication des barriques, tout simplement. Et ensuite, on ira aussi faire un petit tour du côté de l'ISVV, l'Institut de la vigne et du vin, donc pour le côté plus scientifique et recherche. Et donc là, on aura clôturé, on aura eu une belle semaine digitale. Donc merci à tous, j'espère vous voir cet après-midi et demain. Vous pouvez encore vous inscrire en cliquant directement sur le lien à l'écran pour l'événement de demain. Bon, merci. Merci encore. Merci. Je vous dis à très bientôt. À tout de suite, Estelle. Et à tout à l'heure. Bye bye. À tout à l'heure. Merci.